d'être spoilé par les débuts en fait. Moi je fais la spi, toi tu fais les toilettes. Ouais, allez, c'est parti. Je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans. Dans le restaurant, on est trois dans l'équipe. Il y a Mylène, ma soeur jumelle, et Séverine, ma grande soeur de 43 ans, et on travaille en famille. Alors en fait, on s'est retrouvés ici parce que mon père, qui a la boucherie à côté, il a décidé d'acheter un restaurant. Il a mis Séverine, ma grande soeur, en gérante. Et quand l'équipe est partie, eh bien, du coup, ils nous ont dit on a besoin de vous. Avec Mylène, on fait tout. Le service, le ménage, la plonge, la cuisine, les pizzas, les stocks, les achats. En fait, ouais, on est tout le temps en train de courir. Il reste quoi à faire? Les mousses au chocolat. Bah, je vais les faire. Et les sauces? Ah oui. T'as fait des flans à la pistache? Non. Là-bas, je voulais pas du tout bosser dans la restauration. Et au fur et à mesure des années, bah, je me dis que ça me plaît et que j'aime ce que je fais et que du coup, je me bats pour ce que je fais. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de savoir pourquoi, en fait, l'équipe, elle est partie. Elle est partie pourquoi? Parce que ça se passait très mal ou enfin, perso. Quand tu débarques dans un endroit que tu connais pas, que tu as des subordonnés, bah, tu poses des questions, comment ça se passe, les habitudes de gérance et compagnie, quoi. C'est pas tu débarques et tu fais à boire, hop, 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 ça se passe comme ci, comme ça. Après, je sais pas pourquoi ils sont partis, si ça se trouve, ils sont partis parce qu'ils ont suivi l'ancien propriétaire, qu'il a choisi un autre truc, j'en sais rien. J'ai énormément de casquettes dans ce restaurant, puisque donc, je gère la comptabilité ici au bureau. Et ensuite, donc, je passe au restaurant. Je suis là pour donner mon soutien, quoi. Putain. Alors, je suis en train de préparer le bilan comptable. Et ça confirme mon ressenti. Chiffre d'affaires à la baisse. 40 000 en moins par rapport à l'an dernier. C'est énorme. En sachant que l'an dernier, on avait déjà perdu un petit peu, j'ai pas d'explication. J'ai arrêté de me verser mon salaire pour minimiser la trésorerie qui tendait vers le négatif, quoi. Ce mois dernier, j'ai eu un petit Mais peu tu de veux mal comment? À leur payer l'intégralité du salaire, donc je leur ai payé la moitié à chacune. Psychologiquement, c'est très compliqué de travailler dans cette situation-là. Salut Mélanie. C'est la question que je me pose à chaque fois quand ils disent « je me verse pas de salaire ». Mais comment tu fais pour ne pas te verser de salaire? Il faut bien que tu aies des factures à payer. Il n'y a pas que les factures du restaurant, il faut bien que tu manges aussi. Il y a la maison, la location ou le crédit, j'en sais rien. C'est ça que je comprends pas. Tu es obligé de... Enfin, tu peux pas vivre dans le restaurant, c'est ça que je comprends pas. C'est pas prêt, il faudrait que tu te fasses un sandwich. Oui, je suis en train de nettoyer. La communication entre nous est compliquée. Soit je parle et je parle au mur et ça se passe. Il y a des réservés ou pas? Non. Il y a du monde ce matin qui est venu? Non. Soit c'est mal pris et ça part au clash tout le temps, quoi. Et le dessert? C'est marqué sur la carte? C'est trop dur de me le dire. C'est très tendu. On est tout le temps accro, on est tout le temps sur les nerfs et on se prend tout de base. Je suis arrivée à un point où je peux plus travailler dans cette ambiance-là. La famille est en train de se déchirer pour un restaurant, donc c'est dur. Il n'y a plus l'étincelle des yeux. Bah. J'ai passé une super journée à travailler ou quoi que ce soit. Non, il n'y a plus tout ça, non, ouais. Ouais, c'est... Pourquoi elle se parle comme ça, en fait? Je comprends pas pourquoi elle se met entre guillemets sur la gueule. Hein, pour l'instant, j'ai rien vu de mal. Elle fait rien de mal en soi, pour l'instant, la grande sœur. C'est une histoire de salaire. C'est dommage, quoi. Ouais, je suis vidée, quoi. Bah, aujourd'hui, la situation dans le restaurant est un cauchemar. Et c'est un truc de fou, de situation à vivre et de... Pourtant, on est une famille, quoi. Ben non. Le chef, c'est un peu notre dernière solution, quoi. Si lui, il trouve pas de solution pour le restaurant, notre seule solution, ce sera la démission. Bonsoir, Poppy, comment tu vas?
suis à Sénas, dans les Bouches-du-Rhône, où je vais rencontrer Mylène, Mélanie et Séverine, trois sœurs qui ont repris un restaurant il y a 7 ans. Il y a 7 ans. De plus en plus mal, puisque le chiffre d'affaires ne cesse de baisser et qu'il y a de moins en moins de clients. Alors, je me rends sur place pour comprendre ce qui se passe. Ouais, il y a 7 ans, pas de raison en fait. Donc ça baisse d'un coup comme ça. Je connais. Dans une petite zone commerciale plutôt sympathique, il y a d'activités, il y a des commerces, il y a des banques, c'est assez varié. Il y a des choses qui laissent à penser que... C'est je connais cet endroit, j'y suis déjà allé. Il y a Champix qui est là, hein, Poppy. J'en étais sûre, et certaine. Ça va. C'est mon rêve de le rencontrer. Je suis super soulagée. Enfin, il est là. C'est pour ça que je précise que t'es là. Tu manges quoi de bon ? J'ai vu un visage. Alors, je pense avoir aperçu Philippe Stovetch. Surprise. Ouais, la galérée. T'as mis la portugaise ou pas ? T'as vu ? Oui, je m'en fous. T'as mis la portugaise ou pas ? T'inquiète, t'as le droit d'avoir des loisirs. T'es pas obligé de rester scotché à mon stream. Final, on change les habitudes, ça sert à rien qu'il soit là. Moi, c'est un client comme un autre, quoi. Elle a pas tort. Je suis dans une pizzeria. Alors, c'est marrant parce que quand on arrive de loin, là, il y a une boucherie chevaline, il y a la pizzeria à côté et c'est la même police. C'est marqué de la même manière, la même couleur. Est-ce qu'il y aurait pas un lien entre ces deux établissements ? Bah, je vais peut-être savoir. Ah, c'est frit. Ah, t'as vu quoi de beau, Poppy ? Alors. J'ai une carte qui est très colorée, il y a beaucoup de couleurs, c'est très petit. Alors, salade verte, planchette apéritif, demi-reblochon en croûte, salade camembert chaud, filet de rouget façon meunier. Ah, alors je connais la façon meunière, mais façon meunier, je connais pas. C'était bien. Donc ça, c'est la carte, donc rien à voir avec une pizzeria. Pour l'instant, une carte somme toute classique. Alors, il y a un petit truc qui est rigolo, là, juste dessous, là. Je vois recette du bonheur. Une demi-tasse de sourire. Il y a des réservés ou pas ? Non. Il y a du monde ce matin qui est venu ? Non. 3 cuillères à soupe de gratitude, une bonne dose de partage et 6 tasses d'amour. Il y a quelque chose à manger en dessert, les filles, ou pas ? Non. D'accord. Il y a berceau. Du coup, on attend. Bien mélangé pour savourer. Ouais. J'ai entendu dire que c'était pas si bien que ça, Astérix. Représentatif des gens à qui je vais avoir affaire à l'intérieur. Parfois, ça annonce un peu la couleur. Je me dis que si elles connaissent la recette du bonheur, ça doit sentir l'amour dans ce restaurant. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a Mylène, c'est moi, Mylène, Mélanie et Séverine. Donc, Mylène. Ok. Bonjour Mylène. Bonjour. Enchantée. Alors, bonjour Séverine. Ah si Séverine. Oui. Okay. Mylène, Séverine. Donc il me manque Mélanie. Ok. Vous installez ? Oui. Bon, Séverine et Mylène m'ont l'air plutôt accueillantes, mais je peux pas en dire autant de la décoration. J'ai vraiment pas l'impression déjà d'être dans une pizzeria. C'est beige, c'est fade, c'est triste, c'est... Bon voilà, ça y est, j'ai fini de manger. C'est moche. C'est à chier, quoi. En plus, il est mais... Pour en revenir à Astérix, là, clairement, moi, depuis Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, j'ai pas pu regarder avec un vrai plaisir un autre Astérix depuis celui-là. Il était tellement, tellement bien. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux pas passer derrière. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils avaient arrêté pendant un temps de sortir des Astérix, histoire que la génération que ça a marqué, nous, du coup... Parce que moi, j'étais ado quand il est sorti. Et des enfants. Et que du coup, c'est les enfants qui découvrent les Astérix par eux-mêmes. Mais... c'est ça. Mais même Christian Clavier. Quand tu regardes Christian Clavier, il était excellent en Astérix. Et là, ils ont pris qui ? Ils ont pris Otis pour faire Astérix. Après, là, je ne sais pas si c'est le cas dans celui-là. Mais en tout cas, je sais qu'après coup, ils ont pris Otis. Mais Otis, il a son rôle avec sa phrase, sa réplique qui est tellement culte dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre que je trouve ça un peu dommage. Il était en cure d'amaigrissement.
Ouais, faut croire. Bon, allez. La suite. Il y a à peine 3 clients à tout casser. Pour l'instant, on est loin du bonheur. Forcément. Alors, la carte des pizzas. Ah, la carte des pizzas que je n'ai pas vue dehors. Je pensais qu'il y en avait une affichée. Non, on n'avait pas dehors. Donc, c'est quoi, une pizzeria? Ah. C'est une pizzeria restaurant, ouais. Pizzeria restaurant. Ouais. Bah, en fait, on a le papa qui est bouché à côté. Donc, on fait pizza et viande, surtout. Ok, donc c'est pour ça que il y avait la même police. C'est pour ça qu'il y avait la même enseigne, ouais. En tout cas, ça me confirme un truc. Ouais. C'est qu'il y a un vrai problème d'identité dans ce resto. D'accord. Ouais, c'est pas que la même police, c'est la même police, c'est la même devanture, c'est les mêmes carreaux, c'est tout pareil. Tu peux pas faire la distinction entre les deux. Tu vois ça, t'as l'impression que c'est tout. C'est le même la même boutique, quoi. Les premiers mots que j'ai vus, c'était. Boucherie, je suis pas allée jusqu'à pizzeria parce que du coup je pensais que c'était genre boucherie, chevaline et encore une spécialité de la boucherie. Mais bon, si ça fait 7 ans qu'elles y sont et que c'est que maintenant que ça commence à être l'enfer, c'est qu'il s'est passé un truc. C'est pas juste les gens qui ont oublié ce restaurant. Du coup, les plats, les pizzas et vous avez le menu du jour qui est pâte poulet curry avec dessert flan aux œufs et quart de vin pour 15 euros. Donc, il n'y a pas le menu du jour affiché. Il est là. Bah, c'est ouais, ça, ouais. Comme le facteur que j'avais à Marseille, il y avait mon nom, il y avait le nom de mon ex et mon nom après. Quand il cherchait sur les boîtes aux lettres, et bah, il prenait pas la peine de lire tous les noms. Donc, du coup, il renvoyait le courrier qui était à mon nom alors que c'était écrit sur la boîte aux lettres. J'ai eu de gros problèmes avec la CAF et tout à cause de ça. L'été, on le met dehors et l'hiver, bah, je sais pas, on le met pas dehors l'hiver. Pourquoi vous avez peur qu'il prenne froid le menu? Non, mais en fait, je le mettais dehors là-dessus au départ, mais en fait, ça tient jamais. Ok, il y a toujours des solutions, hein, oui, je sais. Aux problèmes qu'on rencontre. Hein. Son menu, c'est comme ses explications. Ça ne tient pas debout. Je me demande ce que la suite me réserve. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau, allez. Ouais. Plate ou gazeuse? Ben, gazeuse. Ouais, je fais la question-réponse. Voilà. Pardon. Première impression. T'as mis ton pseudo, Anjou, en entier, normal. Et là, je l'ai pas fait. Et t'as pas trouvé. Il y a un petit peu de temps derrière, et je me dis quand même, il faut que j'assure, faut pas que je me plante. Je craque encore de partout. C'est quoi cette idée de marquer d'avoir une écriture avec des feutres, des couleurs différentes? Bah, en fait, on a trouvé ça, changer du blanc, en fait. Il n'y a pas à dire. Ça fait quand même un peu cucu, un peu... Mais tu cherches quoi, où, comment? Je comprends pas. Ah non, 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 c'était avec mon ex. Si, ça devait être Zelda, mais en fait, je suis en train de tomber malade et du coup, je suis en PLS, donc je fais un truc un peu plus posé parce que j'arrive pas à réfléchir. Comme les cartes des pizzas. Fait plastique perforé, pas des petits trous comme ça quoi. Ah mais ça si tu veux faire ça tu peux. Vraiment on est dans un schéma très très enfantin. Bon c'est pas tout ça. Je découpe les trous moi de. Pâte de la mer, ouais, Saint-Jacques et quoi et que. Bon, je vais pas dire ce qu'il y a marqué en plus. Que vert Saint-Jacques. C'est des pattes de la mer écrites en pattes de mouche. Je comprends rien, moi. J'ai pas suivi. Séverine Là, c'est cauchemar chez Kanjo. Alors, elle est partie pour Mélanie. C'est quoi ça? C'est le cauchemar dans ma gorge. C'est que des crevisses Saint-Jacques. Hein, avec une. Il y a marqué que des crevisses, là? Il y a marqué écrevisses. Hein. Avec un Q. Ouais. C'est avec un C. Ouais. E-C-R. C'est pas un Q. Hein. Je sais bien. Et très souvent, il y a des fautes d'orthographe. Je leur dis, les filles, envoyez-moi le texte et je vous corrige, quoi. Mais bon, c'est toute une histoire. Je l'avais vu, la faute. Hein. Mais bon, chaque fois que je leur disais, oh, ben, t'as qu'à le rectifier, t'as qu'à le faire toi. Donc, à un moment donné, ça devient compliqué quand on s'entend toujours dire, ben, t'as qu'à le faire. Et donc, du coup, ben, j'avais laissé tomber. Oui, c'est normal, c'est moi qui montais le son. Ça fait brouillon, quoi. Je me suis aperçu que je l'avais pas baissé. En vrai, ça donne pas envie, hein. Je sais pas vous mentir, quoi. Des explications abracadabrantesques et maintenant des fautes d'orthographe. Elles en accumulent, les frangines. Franchement. Donc vous êtes la gérante. Les fautes d'orthographe, ça craint de ouf. Moi, je fais de la salle, je fais du bar et je fais tout l'administratif. Pour ici et pour à côté la boucherie.
Bon, et bien du coup, j'ai fait connaissance presque avec tout le monde. Bonjour. Attends, c'est pas la même que j'ai vue là. Ah putain, mais je suis con, je dis mais c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Elle se ressemble pas tant que ça. Oui. Encore, j'ai le déclic parce que vous n'êtes pas habillé pareil, mais sinon j'aurais même pas fait gaffe. Donc c'est Mélanie, vous? Oui, c'est ça. Oh, elles ont la même voix. Pizza Hulot et Mylène, elle fait la cuisine. Et elle passe au service. Et moi, elle fait le service. Et quand j'ai pas de pizza, je vais en cuisine. Donc vous êtes toutes les deux cuisinières? Oui. Et qu'il y a une troisième là, vous êtes des triplés? Il y a une troisième qui fait le service? Non, on est que toutes les deux. Je sais bien que les jumelles, c'est souvent inséparable. Mais là, j'ai pas trop compris leur organisation. Sa promesse déjeuner. Vous avez choisi? Ouais, mais moi je trouve qu'elles se ressemblent pas tant que ça. Je vous écoute. Alors, il y a un truc qui m'intrigue. C'est le filet de rouget façon meunier. Oui, en fait on sait pas faire la sauce meunière, donc du coup on met façon meunier. Non mais j'hallucine, on me l'a jamais faite celle-là. On met façon, comme ça les gens qui savent vraiment ce que c'est, ils peuvent pas nous dire qu'elle est pas bien faite, vu qu'on sait pas la faire. Ça craint. Les trucs façon de la façon de la façon, ça fait peur, hein. Et Romain, je les accepte, mais je vais pas changer parce que bah, c'est le chef, quoi. Ok. Bon, je prends... Allez, ça commence. Ça commence. Pourquoi alors tu le fais venir? C'est toujours pareil. Si tu veux pas changer ta façon de faire, lui, il est là pour voir les problèmes. Donc, si tu veux pas changer ta façon de faire, tu ne l'appelles pas. Filet de rouget façon meunier. Je vais prendre une pizza. Je prends une pizza, mais t'as une pizza. Une pizza carbonara, ouais. Tiens. Allez, une carbonara. Une pizza carbonara. Bah oui, carbonara et un œuf, donc. Oui. Moi je prends un œuf, sinon j'aurais pris autre chose. Allez, donc un filet de rouget, une carbonara. Bah oui, c'est ça. Ouais. Non, bah non, il vient pas à l'improviste, pas du tout. C'est parce que tu l'appelles qu'il vient. Et encore, quand l'équipe elle vient, tu sais pas s'il va vraiment venir, mais. Mais du coup, parce qu'en fait, quand ils viennent, ils disent on va faire des plans pour vérifier est-ce que oui ou non ça intéresse la prod ou pas. Oh, j'explique parce qu'il y en a qui savent pas aussi, hein, t'inquiète. Mais du coup, ils passent, des fois ils passent pas. Ils font déplacer l'équipe, mais ils passent pas. Qu'elle lui fasse d'abord la pizza. Parce que ça va plus vite. Oh oui, ça va plus vite. Donc voilà. Allez, d'abord la pizza. Comme ça, ça laisse le temps de préparer le rouget. Ça va, pas de soucis. C'est logique. Oui. Oh là là. Allez, je vous fais ça. Rien n'est dénaturé. Tout correspond depuis le début jusqu'à... Je trouve qu'il est un peu méchant. Il attaque un peu trop le cher. Le cher. Oh, putain, je suis pas bien. C'est comme l'émission à Norbert, je me dis... Ils regardent jamais l'émission, les gens... Non, mais c'est clair, tu vois Norbert débarquer chez toi. Tu sais que c'est Norbert commis d'office, c'est pas pour aller dans ton bouquin, c'est dans son bouquin. C'est ça que je trouve tendu, quand même. Mais je pense que les gens, ils sont au courant que c'est de l'acting, et des fois, ils en rajoutent de ouf dans leur recette. C'est abusé. À la prise de commande. Je crois que je vais m'amuser là. Une pizza carbo, c'est parti, le chef. Je suis confiante quand il prend une pizza. C'est ce que je maîtrise le mieux, donc j'y vais sans stress. Sont où les toilettes? Votre première à droite. Première à droite, ok. On verra ça. Là, c'est une première, ça. Oh putain, non. Mais non, mais ça, tu mets pas ça. Ah, j'avais vu ça. Les mains qui nettoient les toilettes sont aussi celles qui font la cuisine. Merci. Ah ouais. Ça craint. Mais j'avais vu ça. Bonsoir, Momo, comment tu vas? Là, je vois que tu c'est pas un épisode de Kojak. Mais c'est clair. J'avais vu. Alors, où est-ce que j'avais vu ça? Dans des pubs, je crois, dans des pubs de YouTube ou je sais pas quoi, mais c'était
C'est, je trouve que ça craint, en fait. T'as pas envie de rappeler ça. Surtout, en plus, si tu trouves que les toilettes, ils sont pas hyper, hyper clean. Mais c'est évident, de toute manière. Enfin, de partout, c'est pareil. Nous, quand on était à Quick, on nettoyait les toilettes aussi. C'est les mêmes personnes, mais on se lave les mains derrière. Donc, t'as pas besoin de le préciser. C'est le même personnel. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça craint. À la limite, tu mets ça chez toi. Pour que tes enfants y percutent que ça serait peut-être bien d'arrêter de pisser à côté du chiotte. Mais non, ah, putain. Non mais sans déconner, mais c'est quoi ce restaurant? Tu viens nettoyer les toilettes, puis après tu vas faire... Oui, toujours les mêmes. Ah là, j'ai l'image, là, tu vois, là, en plus, c'est marqué, tu vois, j'ai l'image, j'ai le truc, là, tu vois, j'imagine très bien la scène. Oh, c'est affreux. Je suis plus très sûr de vouloir manger ici, moi. Je suis pas très rassuré. Merci. De l'huile pimentée. Oui, pour désinfecter, ouais. Un petit peu de piment pour nettoyer les... tuer les microbes. Merci. Elle comprend pas. Bon appétit. Elle percute pas. J'ai une petite question, quand même. Qui a fait les toilettes ce matin? Nous. D'accord. Après, on met les gants. Ouais. Quelle idée de marquer ça, quoi. On a mis ce message parce qu'il y a très peu de clients qui respectent la propreté des toilettes. Ouais, mais enfin, il y a d'autres formules que celle-là, quoi. Nous, on n'a pas du tout ce point de vue-là avec Mylène. Certains clients nous ont dit que ce message était bien, mais c'est vrai que si on pense de la même façon que le chef, ben ça ne fait pas du tout. Ça va. Ça va. Non, merci. Bah oui, moi j'ai que cette façon. Enfin, j'avais la même façon de penser que lui. Hein. La pizza est généreuse. Ah, hein, oh, les champignons, servi. Putain. Mais c'est quoi ce délire de mettre des champignons dans une carbonara? Il n'y a pas de champignons dans la carbonara. C'est dégueulasse. En plus, je déteste les champignons de Paris. Alors, ça et les poireaux, je déteste. Surtout en plus, là, quand il y en a comme ça, je passe 4 heures à trier, enlever tous les champignons et tout, là. Oh. Absolu, hein. C'est pas mauvais, hein. Ouais. C'est recouvert de fromage. Tant mieux parce que j'aime ça, mais... J'ai peut-être parlé un peu vite. J'ai un problème. Le blanc n'a pas cuit, donc le blanc, je le retrouve là. Moi, ça va se faire pas du tout. Il n'y a pas le blanc d'œuf dans la carbo. Jamais de la vie, hein. Il n'y a que du jaune d'œuf. Ouais, il y a du blanc. À quelle heure tu mets du blanc dans une carbonara? Quand tu fais ta carbonara, encore que c'est pas la traditionnelle, hein, parce que la traditionnelle, c'est autre chose. Mais une sauce carbonara, on va dire, comme on l'a fait... Moi, j'aime pas les champignons, c'est mon peuple. quand tu fais une carbonara comme on la connaît à la maison, c'est crème fraîche, lardon, un tout petit peu de paprika histoire de donner de la couleur, mais surtout pas du goût. Sel, poivre. Et encore, je mets pas de sel parce que les lardons sont hyper salés. Il y a pas de champignons, il y a pas d'oignons. Et à la fin, une fois que tu as fait ta sauce, que tu as servi tes pâtes, tu mets la sauce par-dessus, tu casses un œuf, tu récupères que le jaune et tu le mets sur ta sauce. Et après, tu mélanges le tout, les pâtes, machin, dans ton assiette. Et tu mets du fromage par-dessus après. Mais ça, là, il n'y a pas de blanc d'œuf, pas de champignons, pas d'oignons, pas de trucs comme ça. C'est quoi ce délire? Non, j'ai pas fait encore mon planning. Je ne l'ai pas fait cette semaine. Moi, crème, oignon, lardon blanc, jaune d'œuf. Lardon blanc. Non, mais il n'y a pas d'oignon dans une carbonara, faut arrêter. Et la carbonara traditionnelle, c'est de la... Alors, c'est pas de la... Mais je crois que c'est de la pancetta coupée, revenue à la poêle, avec du... C'est pas du parmesan, c'est du... C'est autre chose. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le fromage en question. Mais c'est du râpé qui ressemble un peu au parmesan. Et du jaune d'œuf. Basta, il n'y a que ça. Et en fait, tu fais cette espèce de mélange avec des pâtes fraîches et tu le balances
Du coup, une fois que tu as fait ce mélange-là, tu le balances dans tes pâtes avec une louche ou deux d'eau de cuisson et tu finis de faire cuire le tout ensemble dans une poêle. Ça, c'est la carbonara traditionnelle. Mais celle qu'on connaît, celle-là, là, c'est pas la carbonara traditionnelle italienne. C'est la carbonara... c'est une fausse carbonara. C'est celle qu'on a l'habitude de faire en France. Mais voilà, c'est... Les ingrédients, c'est ça, et puis c'est tout. Si tu mets autre chose, c'est que c'est encore moins une carbonara. Ça, j'ai pas envie, ça. Ça fait morve. Alors, moi, plus, je le mange, ça. Quand t'as l'image des mains dans les toilettes et puis que t'as ça derrière, tu dis... Pizza mitigée. Ça a bien commencé, et puis... C'est non, parti, dans la traditionnelle, il n'y a pas de crème fraîche. Partirons. Je comprends vraiment pas, parce qu'une pizza, c'est pas ce qu'il y a de plus dur à faire. Terminé ? Ouais. Alors, il y a plusieurs choses, en fait. La pâte n'est pas cuite, le blanc n'est pas cuit. Ça ne va pas. Il est un peu dur, parce qu'au début, il a dit qu'elle était bonne. Hein. Elle n'est pas cuite, ta pâte. Elle n'est pas cuite. Et ton blanc non plus. Je suis un peu dégoûtée parce que je comprends pas. C'est pas possible. J'ai jamais eu de retour négatif. Ça m'énerve. Toujours pareil, parce que tu crois vraiment qu'un client il va te dire c'était dégueulasse, je reviendrai pas. Si t'as pas de retour, mais que les clients reviennent pas, c'est, il est là ton retour. C'est que justement, il y a un truc qui... Enfin, ta cuisine, elle est pas... Ouais, le nez, ouais, le nez. Mais la, moi, c'est la coupe de cheveux la peau aussi, elles n'ont pas la même peau. La cheveux courts, elle a la peau beaucoup plus abîmée que cheveux longs. Je ne me rappelle plus laquelle est laquelle. Cheveux courts, c'est Mylène et cheveux longs, c'est Mélanie. Il me semble, du peu que j'ai entendu, qu'il y avait des choses à reprendre. Je suis consciente des faiblesses que Mylène et Mélanie peuvent avoir au niveau de la technique. Donc ça peut être une crainte de qu'ils puissent rien faire pour nous. Il y a une petite anchois et après il y a trois menus. Séverine a l'air d'être plutôt active. Je suis arrivée derrière le bar, elle sert des clients, là elle vend ça, elle fait du service, elle fait des encaissements. J'observe un petit peu, assez impliquée et investie. Moi j'avais vu. Dans les tâches du restaurant. Mais il y a un truc qui me dérange depuis que je suis arrivée, c'est que je sens comme une sorte de tension dans l'air. Il est où le carnet de Mylène ? Je suis pas Mylène. Il est où le carnet de Mylène ? Je t'ai répondu, je suis dans pas Mylène. Dans le sommeil, Mélanie. Alors, pourquoi tu me demandes ? Mais parce que je viens d'y penser quand j'ai fini la phrase. Alors je sens un petit peu tendu. Après, peut-être que je me trompe pas, mais on verra la fin de la journée. Mais là, ce qui est ouf, en fait, c'est que depuis le début, moi, ce que je vois, c'est que c'est elles qui sont hyper agressives avec leur grande sœur, quoi. Elles posent une simple question et elles sont hyper agressives. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a dû se passer un truc, c'est obligé. Mais si c'est une histoire de fric, franchement, ça fait chier, quoi. Parce que c'est pas de sa responsabilité si le restaurant, il est en train de couler, quoi. C'est pas elle qui est derrière les fourneaux. Elle fait juste la compta de base et en plus, elle file un coup de main, quoi. Et elle a pas l'air méchante avec les clients ou quoi que ce soit. Ah, il me tarde de goûter le rouget façon meunier. C'est pas qu'il est négligé, c'est que du coup, en fait, il est à la mode, il laisse pousser la barbe maintenant. Moyen de détourner la recette originale, parce que elle a été très claire, elle ne sait pas la faire. En tout cas, moi le rouget, j'adore ça. C'est un poisson à la sauce, chez le barbier. Fragile. Alors faut faire attention à la cuisson. Je commence à préparer le rouget. Et notre technique, du coup, c'est poêle chaude, beurre et mettre les rougets dedans. Aïe, aïe, aïe. Et la cuisson, c'est à vue d'œil, en fait. C'est au feeling. On se dit, il est cuit, quoi. J'espère qu'il était cuit, parce que je t'ai pas fait les pieds. Oui. T'as réchauffé, quoi. Oui. Ben voilà. Voilà, le rouget façon ouais. Meunière. C'est ail, persil et juste citron. Et beurre. Ouais, c'est une persillade. Oui, ben oui, on pourrait marquer persillade, oui. Ben oui. Comment faire simple quand on peut faire compliqué ? Décidément, je vais de surprise en surprise. En tout cas, son aïe. Il ne m'emballe pas trop. Il n'y a pas grand-chose à décrire. Hein. Il est surgelé. Un filet de rouget avec persillade dessus, de l'ail, du persil, quelques frites, un peu de salade. Ouais, bah.
Ça manque un petit peu de... Poisson congelé, rouge congelé. Non, c'est toujours chiant de manger des poissons congelés quand t'es à côté de la mer. Je comprends pas ça. À côté de la mer, à côté de la mer. Oui et non, c'est nas, ok, c'est dans les Bouches-du-Rhône, mais c'est pas non plus à côté, hein. Oui, comparé à Paris, clairement, on est à côté de la mer, mais. Je vais faire une petite recherche vite fait. C'est nas. C'est nas, la carte. Je veux voir la carte. Là. C'est là, c'est là. La mer, ouais, il y a quelques kilomètres hein, quand même. À vol d'oiseau, je sais pas combien il y a. Je peux pas faire un itinéraire là ou un vol d'oiseau. tous les il y a des poissons dans toutes les rivières. Bah oui, mais lui, il a parlé de la mer, hein, il a pas parlé de la rivière. Hein, mais les rougets, ouais, il y a la Durance qui est pas loin, à la limite. Mais la Durance, on pêche pas dedans. Enfin, voilà. Ouais, c'est là, c'est au bord de la Durance, mais pour aller jusqu'à la mer, ça fait une sacrée trotte. Hein. Je sais pas comment vous montrer ça, en fait. Il faudrait que je rajoute une source. La source. Capture, non, pas d'écran. Capture de fenêtre, voilà, ajouter une source. Hop, fenêtre, sélection, voilà, hop, terminé. Du coup, je sais pas si on voit, là c'est Sénas, et la mer c'est ici. Moi qui connais du coup bien les Bouches-du-Rhône, Sénas c'est tout au nord, vraiment au nord, nord, nord. Des Bouches-du-Rhône, parce que là de l'autre côté c'est le Vaucluse, et le Vaucluse on dit pas qu'il est à côté de la mer. C'est voilà, quand on voit Sénas c'est ici, Aix-en-Provence c'est là, Marseille c'est là, et ça c'est le début du Var, donc ça fait une trotte hein. Hop, je recache, on est reparti. Alors comment faire pour montrer? Il faudrait plutôt alors je vais supprimer ça, je vais faire une capture d'écran plutôt. Alors check 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 check, capture d'écran. Oula. Alors du coup elle est où ma fenêtre? Elle est là. Je sais pas si vous voyez du coup, hop. Ici, Sénas, c'est là. Ici, on a la mer. Donc, Sénas. Et là, vous avez, ici, quand on zoome, là, il y a la Durance. La Durance, c'est là. Et de l'autre côté, c'est le Vaucluse. En fait, les Bouches-du-Rhône, ils font ça. Comme ça. Donc là, vous avez le Var. Ici, vous avez... alors, je ne sais plus... c'est alors là c'est le Vaucluse et là c'est le 30, c'est le 30, je m'en rappelle plus comment il s'appelle, le 30. Putain, je m'en rappelle plus. Donc ça fait quand même une sacrée trotte de là à là. C'est vraiment pas à côté, c'est pire que Aix-Marseille quoi, pour la mer. Enfin voilà. Hop. Hop. Vous avez vu du coup ou pas mon explication? Bon, les frites, les frites congelées. À vol d'oiseau, ouais, ça le fait, mais allez, je vais me à d'autres camions, ça le fait moins. Dans cette assiette. Un petit peu de salade pour faire descendre un peu tout ça là, tu vois. Trop de vinaigrette. Allez, vinaigre balsamique, il y en a 3 tonnes, ouais. Wow, bon sang. Et je crois que la portion est à 17 euros. C'est cher, hein, pour ce que c'est. Hein. C'est pas bon. Eh ben, il n'y a qu'à regarder l'assiette. Comment a été cuit le rouget?
Ah, moi, je mange les frites quand même. Il est mis à la poêle avec du beurre. Ah ouais, tiens, ça, je la connaissais pas, cette technique. Bon, ceci explique cela, c'est archi. J'accepte la critique, mais généralement, oui, on a de bons retours sur ce plat, ouais. Après, ça peut pas plaire non plus à tout le monde, quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est dur hein, de se faire démonter, mais il faut pas la faire. Il est chef. Il s'y connaît. Moi, clairement, j'ouvre un restaurant, chose qui n'arrivera jamais, mais il y a un grand chef qui me dit des trucs comme ça. Ben, je suis que obligée de l'entendre, de l'écouter et de me remettre en question. J'ai pas le choix. C'est son métier. Il en... enfin... Pour moi, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert ? Je t'amène la carte ? Je veux bien. Je me trompe peut-être, mais elle n'a pas l'air plus gênée que ça par mes remarques. Je vais chercher la carte des desserts. C'était pas bon ? Ben non, je comprends. Je regarde quand je vois regarder. Moi, ça bug. Je me dis, mais il y a eu des restaurants, mais pire que nous, quoi. Ça me saoule, quoi. Oula, la carte des desserts, attention. Pourquoi la compétition avec les restaurants pires, en fait ? Ton restaurant, il coule. Il coule. Donc, c'est que t'es pas... Quand tu payes pour quelque chose, il faut que ça soit parfait. Et tu peux pas te permettre de faire n'importe quoi et des trucs à peu près. Ne serait-ce que quand je bossais à Quick, les burgers... Oui, voilà, tu t'ouvres un kebab, là, si le sandwich est pas en cacahuète et qu'il n'y a pas suffisamment de sauce ou trop de sauce ou quoi que ce soit, le gars, il s'en fout. Et encore, il y a plein de kebabs qui ferment parce qu'ils font de la merde aussi, parce qu'ils ne savent même pas faire un kebab. Mais, bonsoir, la poire aveyronnaise. Sympa comme pseudo. Tu viens de l'Aveyron ? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand je bossais à Quick, clairement, j'aime bien l'Aveyron, c'est sympa. Ouais, quand je bossais à Quick, le burger, moi, j'avais l'ambition à ce qu'il soit bien, quoi, et bien fait, bien tout bien comme il faut, et je pouvais pas me permettre de servir un burger qui est complètement pas assez de sauce ou viande complètement déchirée ou pas assez de fromage, enfin j'en sais rien, enfin c'est juste pas possible. Ou même des fois ça arrivait que la sauce elle glisse et qu'elle se mette sur le chapeau du burger, mais clairement c'était pas possible. Je servais pas un burger avec le chapeau du sandwich qui était complètement plein de sauce. Tu fais comment pour le manger après, toi? Donc, c'est la base, en fait. Bon, bah, tout le monde va bien, c'est cool. N'hésite pas à follow ma chaîne si mon contenu t'intéresse. Pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et doucement, Poppy, hein. On se calme. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais... Il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, s'ils sont bons. Eh bien, voilà un point positif. Je vais au moins finir sur une bonne note. Alors, flan pistache. C'est de la poudre. Bon, je retire ce que j'ai dit. Aïe. Si ça continue comme ça, c'est la poudre d'escampette que je vais prendre, moi. Aïe. Je vais pas prendre crème brûlée. Tu sais pourquoi? Je vous le dis, c'est de la poudre parce qu'on sait pas les faire. C'est bon, ça? Mais je pense qu'on doit louper un truc parce qu'en fait, elle reste liquide. Donc, je pense qu'on oui, doit mais louper c'est un... Ah oui, c'est cuit pas assez. Voilà. C'est tout, mais c'est incroyable ce que tu me dis. C'est fou. C'est fou. Mais fais pas des trucs que tu sais pas. Elles ne savent pas cuire un rouget. Elles ne savent pas cuire une crème. Ça commence vraiment à me chauffer, cette histoire. Les crêpes, c'est vous qui les faites? Oui. Ok. Je peux en avoir une? Oui. À quoi vous la voulez? Tu me la sers comme ça, je me l'assaisonnerai. Je mettrai peut-être un peu de sucre à côté. Un peu sur... Ok. Non, mais c'est ouais. C'est dramatique quand même. Hein. Dramatique. Je sens que la crêpe, elle sera pas tout à fait bonne. J'espère, je croise les doigts que ça soit pas le cas, mais j'ai peur de ça.
Ah, j'ai pas fait le sondage. Est-ce qu'on fait le sondage du coup pour savoir si le restaurant est fermé ou pas? Je le lance. Merci pour le follow, la poire véronaise. Alors, restaurant. Ok. Avenir du restaurant. Ouvert. Fermé. Et je le mets pendant 10 minutes. Commencer le sondage. Et c'est parti. Alors moi, j'ai pas vu, du coup. J'ai pas cherché. J'en sais rien. Allez, voilà, je vote. Va chercher à boire. Ah, il faut que je me serve à boire. Merci, merci la poire véronaise. Effectivement, je peux beaucoup. Voilà. Je me suis pris de l'eau parce que du coup, on n'a plus de spépi. Le spépi, il va falloir qu'on en rachète. Voilà. Oh non, 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 pas ce soir, Pitchy. Je suis pas en état. Tu gardes tes points pour autre chose? Est-ce que tu garderais pas tes points pour... Ah putain, le mode champ... Ah oui! Ah oui! Ah, je vais échanger en fait. Ah bah les lunettes, je vais mettre... je vais mettre 2500 et le champ, je vais mettre 5000 voire 10 000. Moi, je vais mettre ça. Est-ce que ça va marcher? Oh! Il n'y a pas d'image. Nul. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas l'image. C'est dommage. Ah là là, t'es nul. Hein. Pourquoi il n'y a pas l'image? Pourtant, j'ai mon truc, il est tout devant. Ça veut dire qu'il faut que je reprogramme encore ça. Tu vois, Champix, c'était toi. C'était toi qui avais des problèmes avec Triggerfire. Là, c'est moi. Je vais me rembourser mes points. alors, je vais régler ça vite fait, du coup. Parce que si ça marche pas, parce que là, vous m'avez rien fait, genre les héros ou les trucs comme ça, parce que si ça marche pas, c'est pas cool. Je vais être obligée de vous rembourser les... Ah si, ça marche. pourquoi ça marche pas? Là, je peux pas me connecter à Twitch sur Triggerfire. Putain, ce soir, c'est le stream de la galère. Hein. Même mon corps, il a pas envie. Copy link. Voilà, hop, hop. Hop. Et hop. Coller. Voilà. Ah, tu commences à... Ouais, pour les lunettes. Moi, je vais changer le tarif. je réessaye. Hein. Je réessaye, du coup, on va se taper encore la chanson. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. L'acteur. Est-ce qu'il passe sur d'autres trucs? Ah bah il y est là. Et là il y est. Je
comprends pas pourquoi sur React il y est pas. Pourtant, je l'ai le lien Trigger Fire. Tu peux faire des sondages avec des bonus de points. Ah bon? Je savais pas. Bon, tant pis. Je réglerai ça plus tard, cette histoire de Trigger Fire. Déprimé. Je suis déprimé là. Bon, la crêpe, c'est de la pâte avec du sucre. Donc j'espère qu'elles sauront au moins faire ça. Non, maman, je peux pas louper la crêpe. J'ai jamais eu de retour négatif sur nos crêpes, donc. Elle a pas une couleur qui me plaît, la crêpe. J'ai mis trop de crème, du coup, elle va être un peu épaisse. Tu l'as rouffée. Quoi, c'est une crêpe. Oh, c'est nul. Ah là, tu vois, elle est énorme. T'as l'épaisseur. Non, mais regarde, c'est un pancake que vous avez fait. Je pense que le chef a raison. Moi aussi, j'aime pas les crêpes épaisses. Moi non plus. Je ne sais pas si mes sœurs sont conscientes des reproches qu'il peut leur faire. J'ai fait comme d'habitude, quoi. Ben oui, c'est le problème. C'est ça le problème. On a toujours servi nos desserts et nos plats en tant que plats généreux et desserts généreux, donc je préfère en mettre plus que pas assez. Bah oui, dans le sud, clairement dans le sud, tu sers les plats de manière généreuse, mais il y a des plats qui ne viennent pas du sud et que tu ne peux pas servir de manière généreuse, comme les crêpes. À la limite, si tu veux que ta crêpe elle soit épaisse, tu mets de la bière. C'est honteux. Voilà, c'est honteux. Tu mets de la bière, du coup la texture elle est bien aérienne, mais on est trop chaleureux. C'est ça. Mais du coup, c'est sur l'estomac, après, c'est trop lourd s'il y a trop de crème. Moi, je mets même pas de crème moi, dans mes crêpes. Hein. Je mets quoi ? Je mets du lait, de la farine, des œufs, du beurre, un peu d'huile, une pincée de sel et de la bière. Je sais plus si j'ai dit la pose de Fifi, ouais. Je croyais que t'étais en mode économie. Si tu bois de l'eau, on gonfle, hein. Tu gonfles, ouais. Bon, à début, hein. Le repas, c'est... De l'eau de vie, ouais. Alors, tu peux mettre de l'eau de vie, tu peux mettre un peu de rhum aussi dedans. Je sais que ça passe bien. Il y en a qui mettent un peu de Jack Daniel parce que c'est très parfumé. Une fois cuit, du coup, t'as pas l'alcool, donc du coup, ça passe bien aussi. Après le rhum, je mettrais plus du rhum ambré que du rhum blanc. Après l'eau de vie, j'ai jamais goûté, donc je sais pas. Je sais pas quel goût ça a. Le problème c'est que j'aime pas l'alcool, donc l'eau de vie, tu mets un cru made in robinet. Mais non, au secours, Champix. Trop d'amateurisme. Et là, vu ce que j'ai mangé, je crains le pire pour ce que je vais découvrir en cuisine. Alors, la cuisine. J'aime bien venir en cuisine, moi. J'adore ça. Elle est propre. Et vous travaillez comme ça, donc... Oui. C'est jamais de tablier, jamais de veste, jamais de rien. Ah là 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 là. Charlotte, obligatoire en cuisine déjà, de base, tablier obligatoire. Nous, en tant qu'assistante manager, je devais souvent passer de devant à derrière, de derrière à devant, en cuisine, comptoir, et le tablier était interdit au comptoir. La Charlotte, ça passait. Mais du coup, quand ils sont passés en cuisine pour filer un coup de main, le tablier était obligatoire. Donc du coup, il fallait toujours mettre un tablier. C'était juste l'enfer. Mais ça fait partie des méthodes d'hygiène et c'est comme ça, quoi. Bah ouais, c'est le minimum le tablier. Et encore, la Charlotte, moi, je trouve que c'est indispensable parce que nous, les filles, on passe notre temps à se trifouiller les cheveux. Et quand on sait ce qu'il y a dans nos cheveux, on y réfléchit à deux fois. Hein. J'en ai passé des remises à niveau hygiène, en gros, dans les cheveux, t'as des staphylocoques dorés et compagnie, hein, donc, et staphylocoques dorés, tout le monde sait que c'est copieux, hein, c'est costaud. Fifi met de la barbe de partout, mais ça a été compliqué, hein, pour la barbe en restauration rapide, hein. Au début, c'était obligation de se raser et compagnie, hein. Dans les trousses à pharmacie, t'avais des rasoirs jetables pour les équipiers qui s'étaient pas rasés, hein.
c'est obligatoire de se raser. Maintenant, ça passe et maintenant, ils commandent les filets à barbe pour les hommes barbus. Il y a des fantômes chez moi, il y a des choses qui tombent toutes seules. J'ai sursauté. Il y a des fantômes chez tout le monde alors. Les cheveux comme ça, pas attachés, comme ça si, vous travaillez. Ils sont attachés, moi. Non, ils sont pas attachés. Ils sont pas attachés, moi c'est. Ouais. Ouais. Pas les cheveux qui traînent. Moi en cuisine, il n'y a pas une fille qui travaille avec les cheveux comme ça. Après, on savait que la seule réflexion, ça serait que le tablier aussi. On manque pas d'air, celle-là. De quoi Elle a dit quoi? J'ai pas entendu. Alors, vous avez du coup voté pour que le restaurant soit ouvert. Ben, il faudrait que je retrouve ma page Wikipédia ou sinon je la chercherai en fin de stream, tant pis. Le karma, en fait, c'est le retour de bâton. Bah oui. Jamais de tablier, jamais de veste, jamais de rien. Les cheveux comme ça, pas attachés. Comme ça, si, vous travaillez. Ils sont attachés, moi. Non, ils sont pas attachés. Ils sont pas attachés, moi, c'est. Voilà. Pas les cheveux qui traînent. Moi en cuisine, il n'y a pas une fille qui travaille avec les cheveux comme ça. Après, on savait que la seule réflexion, ça serait que le tablier aussi. Quoi? La seule réflexion, ça serait le tablier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce qu'elle a dit? Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Ah. Là, c'est tendu, là, pour comprendre ce qu'elle dit. Hein. Moi, en cuisine, il n'y a pas une fille qui travaille avec les cheveux comme ça. Après, on savait que la seule réflexion, ça serait que le tablier aussi. On manque pas d'air, celle-là. La seule réflexion, ça serait de mettre le tablier. On pense... Mais de quoi je me mêle, en fait? C'est quoi ton métier? Les cheveux, c'est... On avait une équipière qui avait les cheveux hyper longs, mais pareil, elle les attachait en queue de cheval. On lui a fait la misère pour qu'elle fasse le chignon et compagnie. Sauf qu'en fait, elle avait beau faire tout ce qu'elle voulait à chaque fois. Je lui ai même fait moi le chignon, hein, pour vous dire. Ben, elle avait les cheveux tellement épais, tellement raides que ben, ça tenait pas. Ça tenait pas. Au bout de deux secondes, t'avais le truc qui se baladait. Donc du coup, on la mettait à des postes où on risquait pas de retrouver ses cheveux de partout, quoi. Ouais, mais ouais, non, mais enfin, excuse-moi, mais quand tu sais, enfin, c'est là que tu vois qu'elle ne connaît absolument rien à l'hygiène en cuisine. Comme je l'ai dit, il y a des staphylocoques dorés dans les cheveux. C'est des poils. C'est pas propre. Les cheveux, c'est vraiment pas propre. Si moi je trouve un cheveu dans mon assiette au restaurant, je te garantis que c'est niette. Je me casse. Je me casse, je ne mange pas et je me casse. C'est pas possible. C'est vraiment Stalipo opération pour ça. Hein? J'ai pas tout compris là, Poppy. Mais ça craint de ouf. Si seulement il y avait que le tablier. Bah en fait, à chaque fois, ça me fait mettre le tablier, enlever le tablier pour repartir en salle. Et des excuses, on est toujours plein des excuses. Ça me gêne pas qu'un... J'avais un manager qui disait les excuses, c'est comme le troufignon, c'est tout le monde en a. Une cuisinière vient de me servir en tenue de cuisinière un plat, au contraire, ça me rassure. Mais là, vous m'avez pas rassuré du tout, donc c'est ni fait ni à faire. On est bien d'accord. Ça, il le dit souvent, ça. Oui, voilà, c'est pour ça, ça se voit. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais deviné. Bon, eh bien, tout s'explique. Et quand je vois cette cuisine, je me dis qu'elles doivent pas se servir du quart de ce qu'il y a dedans. Je vois qu'il y a un peu de matériel, quand même. Oui, oui. C'est sûr, équipé pour ce que vous faites. Vous faites de la dinette. Ouais. Hein? Et vous avez un outil professionnel pour faire de la cuisine de ménagère. Ah ouais, quand même, il va sortir des mots comme ça, quoi, mais... Alors, mais c'est vrai, c'est véridique. Donc, on a la plonge ici. On a la partie chaude là, ouais. On a le coin dessert là-bas. C'est ça. Alors certes, elles ne savent pas cuisiner, mais il y a un truc que je ne peux pas leur enlever, et c'est rare, leur cuisine, elle est nickel. Oh, ça c'est le frigo, chambre froide. Oui, pas chambre froide. Frigo des viandes et des sauces, puis après on en a d'autres là. Nos frigos ils sont nickel, donc on sait que sur les frigos, il n'y a pas pour nous crier dessus sur la propreté. Il n'y a rien qui me choque. Bon,
ce que je peux te dire, c'est que la cuisine est bien tenue. Elle n'est pas bien faite, mais elle est bien tenue. Après, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Ça paraît normal de tenir une cuisine. Ouais, c'est très très rare. Propre, comme la maison, hein. C'est pareil. Oui, il a raison, c'est facile. Mais bon, dans ma tête, hein, parce que je peux pas me permettre de dire ça au chef comme ça, de but en blanc, je me dis, bah, la preuve, vous êtes allé voir des cuistots, mais la cuisine était vraiment dégueulasse et ils avaient zéro couvert. Donc, on n'est pas sur une mauvaise voie. Il y a un certain sens de l'organisation, du nettoyage et du rangement coupé. Ça me tue, moi. Ça me tue qu'elle dise des trucs comme ça. Elle a vraiment... C'est une question de fierté, en fait. Elle a une, elles ont une fierté de ouf. Après, en soi, dans le Sud, on a vraiment une fierté de ouf. Et c'est très, ça doit être déjà très difficile pour elle de se retrouver dans le cauchemar en cuisine. Genre, t'as tout raté. Et du coup, c'est pour ça qu'elle arrête pas de dire « Oui, bon, ça va, on n'est pas les pires. Oui, bon, ça va, on n'est pas les pires. » Voilà. J'ai déjà vu l'épisode, mais il y a longtemps, je me souviens plus. Moi, je l'ai jamais vu, c'est total découverte. C'est votre côté, côté maman, la maison, voilà, c'est très bien. Hein. Après, il y a la logique derrière, hein, du restaurateur ou du cuisinier professionnel qui gère ses stocks et ses marchandises. Et ça, par contre, vous n'avez pas ce réflexe-là. On essaie de se débrouiller comme on peut, quoi. Très bien, oui, oui. Bon, eh bien moi, avec tout ça, je suis bien embêté. La cuisine est nickel, elles n'ont pas de formation. Pour l'instant, je ne sais pas trop en quoi je peux les aider. Ça me tue que je la connaisse cette place. Quoi. Si je vous dis que. Là, je sais absolument pas, forcément. Parfois, c'est plus simple de tomber sur des gens qui ont baissé les bras et dont la cuisine est dans un état pitoyable. Là, je sens qu'il y a un gros problème dans le resto, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Quelle est la solution ? Séverine, c'est toi la gérante. La solution, c'est quoi ? Je sais pas, à part mettre un chef, un vrai professionnel dans la cuisine... J'ai pas les moyens financiers de le faire. J'ai compris. Après, je pense pas qu'il ait vu tous les problèmes. C'est Nicolas Jordan. Brochingué, écharpé rouge. Mais j'ai envie qu'il revienne demain, quoi. Allez, mesdames. Je reviens vers vous. Elle a des yeux de ouf, la grande sœur. Je sais pas s'il pourra nous trouver une solution à ce moment-là. Ça me fait mal. La situation est vraiment catastrophique en vrai. Tu vas réfléchir. Au revoir, bon après-midi. Au revoir. Bon, ben. Michael Jordan. J'ai affaire à deux pseudo-cuisinières qui font de la dinette. Donc, résultat, un déjeuner très très médiocre. Par contre, les cuisines sont propres. Et c'est souvent plus facile de pointer du doigt les problèmes quand les cuisines sont sales. Voilà, ça va être plus compliqué. Et par contre, j'ai une Séverine qui a l'air de bonne volonté. Bon, ben, je vais voir ce que je peux faire. Ah, spoil pas! Vu la longueur de l'épisode, à mon avis, il reviendra. Mais est-ce qu'il va réussir à les aider ? C'est pour ça que je me suis bien attaché les cheveux et que j'ai mis le tablier. Bah, j'ai pas trop dormi, mais je pense qu'il a déjà observé pas mal de choses, de ce qu'il a pu voir avec le peu de clients qu'il y avait. Après, je pense pas qu'il ait vu tout l'envers du décor, le problème de la répartition des rôles et du rôle de gérante de Séverine, non, je pense pas qu'il ait vu, par contre. Je pense qu'elle a beaucoup joué la faux cul pour essayer que le chef lui fasse pas du tout trop proche, alors que, en fait, elle fait rien. J'ai envie que le chef, il voit que, en gros, il y a que Mélanie et moi qui se démènent pour le restaurant, quoi. On vient toujours dans chaque épisode. Ouais. Hier, c'était pas glorieux. Et je sais pas trop où je vais avec ces cuisinières du dimanche. Alors autant dire que le service de ce midi va être décisif. J'avais des amis qui habitaient à Sénas, ils ont acheté leur clope au tabac. On vient de voir qu'il est un peu plus vers la droite de l'écran, la gauche de l'écran. Il est là. Oh, j'ai une boule au ventre d'un coup. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour, Mélanie ? C'est ça. Ouais, je me suis pas trompé. Et bonjour Mylène, hein, parce que là, si vous changez de fringue tout le temps, là, j'ai pas m'y retrouver, là. Petit tablier ? Oui, oui. Il est pas très bien mis, mais c'est l'intention qui compte. Ouais, ça se voit. Il y a des efforts de fait, ça veut dire qu'on m'écoute. C'est déjà bien. Et Séverine, elle est où ? Bah, bonne question.
Non, elle arrive à 11h, 11h15, quand on lui dit c'est bon, c'est prêt, tu peux venir manger et c'est tout. Ok, donc Séverine, elle participe pas à la mise en place et ni au ménage de la salle. Elle ne le fait pas. En même temps, c'est normal puisque Séverine m'a expliqué hier qu'en tant que gérante, elle s'occupait de tout l'administratif du resto et de la gestion de la boucherie. Donc, elle ne peut pas être partout à la fois. Bah ouais. Alors, je vous avouerai que ce que j'ai vu hier, ça m'a pas laissé enthousiaste. Hein. Bon. Alors, hier, il n'y avait pas grand monde, 12 couverts, donc je vous ai amené du monde. Et je vais observer comment vous gérez un gros service. Et puis, je vais voir aussi Séverine. Je pense qu'elle va venir travailler à midi. Ouais. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ça va, pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Merci à toi. Est-ce qu'il en a vraiment une de Ferrari ? Qu'elles ont bien compris l'enjeu. Parce que pour le moment, je ne suis pas convaincu qu'elles arrivent à gérer ce gros service. On va faire comme d'habitude. On ne va pas changer pour lui prouver qu'on est capable de le faire. Alors, je ne sais pas après si... Je vais revenir sur cette histoire d'administratif parce que c'est quelque chose qui m'a été quand même pas mal reproché quand j'étais assistante manager. Mon rôle du coup consistait à faire la fermeture administrative plus la fermeture physique du restaurant le soir quand je devais faire la fermeture. Ça prend un temps fou. Il fallait rentrer tous les stocks, vérifier toutes les dates, toutes les DLC. Il fallait compter toutes les caisses, vérifier le coffre, vérifier la compta journalière, que les chiffres correspondent bien. Et comme du coup, souvent, il y avait des erreurs caisses, il fallait tout reprendre depuis le début. Les DLC, date limite de consommation. Il y avait ça. Plus, du coup, en même temps, il fallait que tu gères ton équipe pour savoir qui devait faire quoi, comment, tout ça. Enfin, c'est la gestion de la clientèle. Laisser tomber ton taf administratif pour aller aider ton équipe devant quand il y avait un petit rush ou qu'il y avait un petit peu plus de monde. Donc, du coup, après, tu reviens sur ton administratif. Enfin, déjà, d'une semaine à l'autre, je ne me souviens pas les touches d'un jeu. Alors, imaginez si j'étais partie dans les calculs et compagnie. Enfin, pour moi, c'était hyper compliqué à gérer. Date limite de 100 pixels. Et là, la meuf, elle s'occupe de ça pour deux boutiques. Un restaurant et une boucherie. C'est juste phénoménal comme dose de travail. Alors, je ne sais pas à quelle heure elle arrive le matin, mais si elle doit s'occuper de ça tous les jours, de deux boutiques, plus faire le rush, franchement, chapeau. C'est un truc de dingue à faire. C'est un taf monstre. Et quand on est sur le terrain et qu'on fait les choses physiques et pas administratives... on se rend pas compte du taf que c'est, on a l'impression qu'en fait tu restes derrière ton ordi, tu fais pas grand chose, sauf que oui c'est vrai tu restes derrière ton ordi, mais putain ce que tu te manges le cerveau, c'est un truc de ouf, et t'as une quantité de travail qui est phénoménale, et donc t'as pas le temps de faire le ménage, t'as pas le temps de mettre les tables en place et compagnie, parce que si tu le fais pas, le restaurant ne ferme pas ou ne s'ouvre pas, donc tu peux rien faire sans ça. Sans l'administratif, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas ouvrir un restaurant si tu t'occupes pas de l'administratif. Sa boucherie, elle est moche. T'en sais rien, t'es pas rentré dedans. Mais c'est vrai que la devanture, bof, hein, j'aime pas trop. Mais je suis sûre qu'il doit y avoir un truc un petit peu en mode... elle est assise derrière son bureau, elle nous aide pas, elle nous laisse tout gérer toute seule. Bah oui, mais en même temps... Voilà, quand j'étais assistante manager, c'était pareil. Eux, ils s'occupaient de la salle, de la gestion physique, de la fermeture. Et moi, je m'occupais de l'administratif, c'était mon métier. Voilà. J'étais là pour filer un coup de main quand ils en avaient besoin. Mais filer un coup de main pour les soutenir quand ils en avaient besoin. Pas faire le boulot à leur place, parce que moi aussi, j'avais mon travail à faire. Tu t'es rendu compte de comment elle était vraiment Séverine ? Après, on verra bien. Hier,
Je pense qu'il s'est pas du tout rendu compte que Séverine, elle en foutait pas une, en gros. Moi, je me dis, il faudrait trop qu'il voie ce qu'il a vraiment pas vu hier sur Séverine et qu'avec 12 couverts, c'est impossible de voir. Elle l'a déjà fait à l'envers hier. Mais j'ai envie qu'il comprenne, le chef. Et creux. Caille. Vous avez mangé, les filles? Non. Il y a quelque chose à grignoter? Bon, on n'a rien fait pour le moment. Quand je vois rentrer Séverine, ça m'énerve parce que les 11h15, on est là depuis 5h. On a encore des choses à faire. On va pas perdre du temps à lui faire à manger alors qu'on n'a pas fini notre mise en place pour le service. Il n'y a pas écrit bonus sur nous, quoi. Donc en fait, ça me saoule qu'elle ait ce comportement de... Il n'y a que moi qui passe en premier, quoi. Et ça, tu peux pas lui dire. Le frigo, au pire, et tu te le manges. Non, mais je vais faire comme hier. Parce qu'il faut que je mange, sinon je vais tomber, moi. Mais avant, elle a pas le même âge, hein. Je suis au bureau. J'avais des obligations comptables et bancaires. Je peux pas être partout en même temps, quoi. Je peux pas me... J'ai pas d'hologramme encore, donc je sais pas faire. Donc à midi, c'est quoi, Mélanie? Bah, il y a une carte. Oh, putain. Sans déconner. On a encore refusé de me dire le menu du jour, on m'a renvoyé la carte. Et alors? Comme d'habitude, tu préfères bouffer que finir de nous aider. Sois pas hargneuse, Mylène. Fini d'écrire. Toute l'année, je vis la même chose vis-à-vis de mes sœurs face au travail. C'est difficile d'être stable face à cette situation-là, puisque enfin, c'est un peu compliqué. Bienvenue. Je sais pas si elle se doute que le chef revient, mais je pense qu'elle doit s'en douter. Faut pas lui dire, parce que sinon elle va pas du tout faire comme d'habitude, et je veux qu'elle fasse comme d'habitude. Je veux pas qu'elle nous la fasse à l'envers. Donc à un moment donné... Je trouve ça très petit. Clairement, je trouve ça très petit. Je sais pas quoi penser de... Oh, merci pour le raid, Tirag, ça fait plaisir. Vous étiez sur quoi? Ouais, non, ça me plaît pas du tout, cette façon de faire, là. Si t'as quelque chose à reprocher, tu le dis. D'envoyer chier comme ça, clairement, moi, je te dis... je vous dis... clairement, moi, ça se passe comme ça... Je prends mes affaires et je me casse, quoi. C'est pas la peine. Si je suis là, je viens pour aider. Bah même pas, c'est moi la gérante à sa place. J'essaye de réfléchir. Déjà, elle a pas le même âge qu'elle. Moi, quand j'avais leur âge, je pouvais me permettre de pas manger, de travailler derrière. Là, maintenant, c'est fini. Je peux plus le faire. Non, cette ambiance-là, c'est pas possible. Moi, je peux pas. Je peux pas. Clairement, ça se passe comme ça, moi, je laisse le restaurant, je vois avec mon père, je dis, tiens, je te laisse le restaurant, tu te démerdes avec elle, j'en veux pas. C'est pas possible. Ou sinon, j'en sais rien. Je suis pas dans sa situation, j'attends quand même de voir comment elle se comporte réellement, mais... Pour le côté administratif et compagnie, je peux que comprendre. Et ce comportement-là, clairement, c'est pas possible. C'est quelque chose que j'accepte pas. Bonjour Séverine. Ça va? Oui, et vous, pardon, je me pelais, mais mouillée. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que Séverine a l'air un peu gênée de me voir. Je t'ai pas vu ce matin. Non, j'étais au bureau. D'accord. J'étais persuadée qu'il allait venir. Mais persuadée qu'il allait venir. J'ai totalement l'impression qu'ils sont fiers de la situation et que oui, ça peut être une vengeance. Comme un coup monté, quoi. Ah, vu la tête qu'elle a tirée, oui. Je me dis, bon, ben, ça va le faire. Qu'est-ce qui se passe à midi? À midi, on a camembert en croûte, pommes de terre à la persillade, ouais, et charcuterie. Dessert, c'est gâteau aux pommes. Que t'as fait? Oui. On a pelé les pommes, on les a coupées et on a fait Hogwarts Legacy. Ah. C'est un gâteau aux pommes, effectivement, oui, voilà. Tout ça, plus la carte et les pizzas à côté. Oui. J'imagine. Ok, bah, il me tarde. Hein. Là, franchement, avec tout ce qu'il y a sur leur carte, elles ont vraiment intérêt à s'être bien organisées. Bon, il y a eu un petit débrief là avant le service. Vous le faites ou pas, en règle générale? Non,
ça, ça veut dire non. Si, à partir du moment où on hésite, ça veut dire non. C'est pas fait. C'est rare. Aujourd'hui, je le fais plus parce que c'est compliqué. Je pose des questions, on me répond pas. Ou alors on me renvoie à l'ardoise. Il n'y a pas de communication, quoi. Tu vois, première erreur. Sur ce point-là, on n'en fait pas. Premier truc, première erreur. Je suis d'accord avec. Et c'est trop tard pour rattraper le coup. Les premiers clients arrivent. Ça promet pour le service. Bonjour. Quelle personne? Oui, vous venez avec moi, s'il vous plaît. Bonjour. 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 Ça allez bien? Oui. Allez, on va voir. Allez, viens. Aujourd'hui, j'ai dû laisser le PC à mon mari parce que c'est le sien pour qu'il puisse enfin l'essayer et avancer sur le jeu parce que du coup, c'est moi qui monopolise le PC avec le stream peu cher. C'est bon ? Bon, je trouve que niveau accueil, Séverine est plutôt souriante et avenante. Et ça, c'est une vraie qualité pour le service. C'est Mylène qui va s'occuper de vous. D'accord. Est-ce que vous avez fait votre choix pour la suite ou pas encore du tout ? Oui. Vous avez le menu du jour qui est un camembert en croûte, avec charcuterie, pommes de terre à persil, gâteau aux pommes en dessert, quart de vin pour 15 euros. Moi je vais vous prendre une pizza mozzarella s'il vous plaît. En revanche chez Mylène, c'est un peu la soupe à la grimace. Elle n'a pas dû avoir de formation pour le sourire. C'est un peu froid je trouve. Ah oui, j'avoue. On a un impératif horaire, il faudrait qu'on soit parti dans une heure. Au plus vite je choisissais, au plus vite j'envoie. Oui, bien sûr, merci. Ah. Eh ben elle va pas les engueuler quand même, il manque tout ça. Il y a trois menus, une marine, quatre fromages, une entrecôte à pointe. Dans une heure, ils doivent être partis. Et dès que j'ai pris mes commandes, j'arrive. Ça y est, ça commence. Allez, je vous écoute. Champix. Ah, j'ai pas vu, je veux voir. Ils ont gueulé quand même, il manquait plus ça. Il y a trois menus, une marine, quatre fromages, une entrecôte à pointe. Dans une heure, ils doivent être partis. Et dès que j'ai pris mes commandes, j'arrive. Ça y est, ça commence. Allez, je vous écoute. Est-ce que tu veux que je te prenne les apéros pour les autres tables, pour t'avancer ? Non, merci. Ok. Deux menus. Séverine vient proposer son aide à Mylène et elle l'envoie bouler. Et en plus devant les clients. C'est pas terrible quand même. Est-ce que tu veux que je fasse les apéros, Mylène ? Non, c'est bon. Pour le moment, j'arrive à gérer. Bah non, je le fais, hein. Bah non, je fais comme d'habitude, je fais mes apéros. Comme d'habitude. Mais pas vrai, parce qu'elle ne le fait pas normalement, donc je me dis... Champix ! Tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. C'est pas parce qu'elle chef qu'elle va faire ce qu'elle fait pas, quoi. Ça va ? Oui. Ça gère ? J'attends que mon côté se remplisse. Si bien compris, il y en a une qui s'occupe d'une salle et l'autre de l'autre, c'est ça ? C'est ce que j'en déduis. Donc voilà, donc toi tu t'occupes de cette salle. On va faire comme ça. J'ai pas tout suivi là. Oh là. Pas clair. Pas clair ce que tu me dis là. Je vais me faire caca dessus. Ce qui est sûr, c'est que moi je comprends rien à leur organisation. Et surtout, je sens comme un gros malaise. L'atmosphère est électrique. Il y a une sacrée ambiance. Punaise. Je sais pas ce que ça va donner tout à l'heure. En attendant, je suis curieux de voir comment elle travaille en cuisine. Parce que ce gros service, c'est pas de la dinette. Ça, c'est les pâtes aux fruits de mer, c'est ça ? Oui. Bon, eh bien, c'est fade et ça n'a pas de goût. Et ça, ça sert à quoi ? Ah, c'est moche. C'est juste pour décorer. C'est très, très moche. C'est le genre de chose inutile qui ne sert à rien. Mettre de la déco pour mettre de la déco. Au mieux, on va mettre à l'intérieur, mettre ce qu'il faut, quoi, voilà. Surtout qu'en plus, on n'a pas... Non, moi, je joue pas demain. En fait, Mylène ne travaille pas comme elle devrait le faire dans un restaurant. Rien n'est pensé. Elle fait un peu comme à la maison, quoi. Après, faut voir ce qu'en pensent les clients. La jambe de... On a demandé saignante. Mais là, c'est cru. Des frites. Dommage, pas des frites maison. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je sais pas, les miens, n'ont pas le goût des fruits. Elles n'ont pas le goût des fruits de mer. Pas de sel et pas trop de fruits de mer. Parce que... Ah, il y a beaucoup de pâtes. Ah oui. Ah. Ok. Bon, eh bien, ça me confirme. Aïe, 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 aïe. Elle est vraiment... Ah tiens, une pizza pas cuite. C'est marrant, j'ai déjà vécu la même chose. Ça m'agace.
Mélanie, tu peux la refaire. Elle me dit que la pâte n'est pas assez cuite. Ça m'énerve que Séverine leur fasse des caisses parce qu'elle fait jamais ça ou quoi. À un moment donné, ça va péter. Elles sont comme des lionnes en cage, elles sont prêtes à bondir. Quand ça va péter, ça va vraiment faire mal. Ouais, ouais. La... s'il vous plaît. Bonjour. Je sais pas où je... Configuration, je sais pas comment je fais. Là, le resto est plein à craquer et je sens que Séverine semble complètement perdue. Non, ça va pas le faire. Et juste sur moi, ça tombe en plus. Je te la décale, Mélanie, un peu. Ah, vas-y. Elle compte déménager tout le resto ou quoi? C'est pas possible. Bonjour. Là, va falloir qu'elle passe aïe, 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 aïe. Demain, on y est encore. Mais ça, c'est envoyé. Il me faut faire les trois menus, du coup. C'est quoi l'entrecôte de la tartine? À point. À point. C'est bon, les dons, c'est là... Ouais. Elle m'énerve un peu, les jumelles, là. De faire des gros services que toutes les deux. Ouais, on est bien conscient qu'il y a un problème en cuisine. On est bien conscient qu'on n'a pas de base de la cuisine. Je continue à me battre. Je pense que Mélanie, pareil, puisqu'on n'a pas envie de se laisser tomber l'une et l'autre. On a envie que ça marche. Et après, il y a deux formules, un raviolo et une carbo. Des fois, j'aime pas le chèvre. Ah, j'aime que le chèvre soit fondant dans la carte, mais c'est la base. C'est la base. Je vais à mon coin pizza. Vas-y, fais. C'est la base. Tu peux pas manger une pizza 4 fromages si le chèvre il est pas coulant. C'est pas possible, ça n'existe pas en fait. C'est pas une pizza, sinon c'est une tartine. Qui misait pas trop sur les jumelles avant ce gros service, je dois avouer qu'à ma grande surprise, elle gère plutôt bien l'envoi des plats en cuisine et en salle. Elle court partout. Ça te fait galoper là, entre les pizzas, la cuisine. Oui. Ça tient la ligne. Hein? Ça tient la ligne. Ah, ça tient la ligne, oui, c'est sûr. Ah oui, non. Pour moi, c'est super simple jongler entre cuisine et... Clairement, une pizza avec de l'œuf, moi, il faut qu'il soit baveux. S'il est trop cuit, j'aime pas ça. Cuisine pizza. Je me sens plutôt à l'aise avec Mimi. On veut vraiment s'en sortir. Je sais qu'on en est largement capable. Bah, je vais essayer. Non, c'est pas les tiens. C'est à moi. Autant dans la salle dont Mylène s'occupe, tout va bien, elle gère. En revanche, chez moi, ils ne savent pas les faire, même quand tu me plains. Il y a des clients qui sont là depuis une heure et qui n'ont. Chez toi, dans ton salon ou dans ta ville? Pas ta ville, ta capitale. Pas encore mangé, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tenez, je vous avais oublié la touillette. Pardon. Merci. J'ai peur de ce qu'il peut dire, parce que je sais très bien qu'il va me faire des reproches à moi aussi, puisque je fais partie de l'équipe. J'en suis tout à fait consciente. Et au vu du panel d'action que j'ai, forcément, c'est obligé que je fasse des erreurs. Pareil. Je ne peux pas être parfaite partout. Je ne sais pas donner pardon. Est-ce que je me serais trompé sur Séverine? Moi qui la trouvais investie hier, aujourd'hui je la trouve très approximative. Ouais. Forcément, depuis le début, il aide pas. Enfin, clairement, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu te fais envoyer chier, compagnie. Puis en plus, c'est pas son métier. Quand t'es dans l'administration, c'est pas la même chose que qu'être serveuse. Si t'as pas l'habitude de faire, forcément, t'es à la ramasse. Ça sort les quatre premiers là. Ils sont là depuis un moment. Hein. Faut y aller là. Faut mettre. Je vais demander au frère. La pizza de la carbo avec œuf, hein, Mélanie. C'est ça là. Oui, c'est celle-là. La pizza. Allez. Carbo, c'est vous, il me semble. Non, c'est vous. Pardon. Ouais. Merci. Allez, on y va. Et je vais voir la show with and song. D'accord. Est-ce que vous mangerez du pain avec vos plats? Oui, s'il vous plaît. Oui, tu mets ça. Bah oui. C'est pas possible. Elle fait quoi, Séverine? Elle les accumule, là. Ah oui, mais c'est pas une serveuse. C'est terminé. Mylène, t'es pas censée vider tes assiettes? Je suis en train de m'interrompre, le chef. Ça m'énerve, puisque déjà, elle fait des choses que... elle fait pas normalement. Donc, je me dis, ouais, il y a le chef, donc en fait, elle essaie de faire sa belle, quoi. Mais à un moment donné, ça va pas marcher, quoi. Donc, je peux plus prendre sur moi. Il y a un moment donné où le holà, il doit être mis, quoi. Mes deux formules et mon raviolo, c'est où, là? Là, je suis en train de le faire.
Allez, faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Allez, sortir, Ouais, il faut y aller, faut pas que les gens attendent. Ouais, mais bon. On aurait pu finir de vider tes assiettes. Non, mais comment elle se parle? Ça va mal finir. Et vu les tensions qu'il y a entre elles, je suis persuadée que tu me forces, tu me forces. Allez, un pour toi. Nul à chier, Nulachier. Voilà, tu m'as forcé, Champix. Tu es en train de prendre l'avion. Vous êtes déjà venu ici? Bah moi, j'y venais il y a 20 ans, donc... Bien changé. On a compris que c'était des sœurs, a priori. Qu'il n'y ait pas de cohésion entre elles, c'est dommage. Et ça touche. Bah ouais. C'est émouvant. Ça touche. Vu l'émotion de cette dame, je comprends mieux pourquoi les clients ont déserté le resto. Le problème, ce sont les tensions entre les trois sœurs. Je vais leur dire. Je leur dirai. Séverine, qu'est-ce qui se passe là? Il a dit que les pommes de terre étaient un petit peu froides. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais le dire aux filles. Mais elle a rien compris. La priorité, c'est le client. Bah oui. Et au moins, à un moment donné, le client qui me dit les pommes de terre sont pas chaudes, pas de problème, monsieur, je vous prends l'assiette, je vous les fais réchauffer. Et c'est comme le reste, c'est le problème, c'est que tu subis même les remarques des clients. C'est toi qui donne le ton aussi. Ouais, c'est comme le reste, voilà. Ah ben oui, ou tu constates, oui, mais tu fais rien. Et non, faut pas rien faire. Faut trouver des solutions. Je subis la pression de mes sœurs. J'adore que tu chies un sang pour les blagues pourries aussi. Que si je subis pas, c'est que je m'affirme. Fait, sauf que bah, ça va au clash et j'en ai marre d'aller au clash, quoi. Ma vie passe à me battre, non, quoi. Tu m'étonnes, c'est dur, hein. Je te les débarrasse, c'est je pas te très demande, dur, hein. Je te donne les desserts. Ah, c'est ce que tu veux, tu le fais jamais d'habitude. Je me sens énervée et agacée parce que je me dis, mais est-ce que le chef va se rendre compte que... Elle le fait pas, mais normalement, est-ce que le chef va se rendre compte qu'elle le fait parce qu'il est là, enfin, et... Non, alors là, par contre, je suis pas d'accord. Je pense qu'aussi qu'elle fait les choses parce qu'il y a du monde et que de base, si elle le fait pas, c'est parce que ben, elle s'en sort très bien comme ça et qu'il y a pas besoin de faire plus aussi. J'ai tendance à vouloir la défendre aussi, mais je les trouve très, 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 très durs. J'ai pas été là pour voir comment ça se passe depuis le début, mais d'un autre côté, je les trouve très, 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 très durs parce que j'ai rien vu de mal avant, j'ai rien vu de mal pendant, et tout ce que je vois, c'est qu'elles sont en train de s'acharner contre elles alors qu'elles s'occupent de la compta et compagnie, et Dieu seul sait comme, à quel point c'est un taf monstre. Un problème, quoi. Ce service est en train de virer au cauchemar. Il y a des clients qui n'ont rien mangé et qui sont à deux doigts de se barrer. De toute façon, il n'y a pas de patron dans ce resto. Alors j'ai pas le choix. Il faut que je prenne les choses en main. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Ils ont la pizza déjà. Oui, oui, mais chef, je suis en salle aussi en même temps. Mais c'est pas mon problème. Allez, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Vite, 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 vite. Allez, on se dépêche maintenant. Allez. Ça, c'est quoi, si vous... Ça, c'est les plaines, il y a des gens qui attendent. Mais prends les raviolos déjà. Séverine est complètement à la ramasse. C'est un carnage. Oui, ben elle connaît pas. Hop, bon appétit. Et j'arrive pour la suite. Je vais en cuisine de suite. Ça me saoule parce qu'elle fait jamais ce qu'elle fait d'habitude. Bah, du coup, je sais qu'il faut que ce qu'elle fait, elle. Ça me gave. J'ai réussi à tenir ou quoi que ce soit, mais là, je t'en prie. Pour que les chefs comprennent que la situation, elle est pas réelle, là, que c'est tout faussé, qu'elle fait jamais ça. Il faut que le chef, il ouvre les yeux et qu'il pose les bonnes questions et qu'il voit le vrai visage de Séverine, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ça me saoule parce qu'elle fait la faux cul, elle fait pas ce qu'elle fait d'habitude. D'habitude, elle fait rien, c'est moi qui fais les deux salles, la cuisine et tout en même temps. Et là, parce que vous êtes là, elle fait tout. Ah non, bah, je l'ai pas vu faire grand-chose hein, pour l'instant. Hein. Elle fait quoi d'habitude? D'habitude, elle fait rien, elle reste au bar parce qu'elle est habituée au bar. Elle fait la belle parce que vous êtes là et elle nous répond pas parce que vous êtes là et... Parce que d'habitude, elle répond. Oui. Elle nous traite de merde. D'habitude, elle nous traite de merde, de moins que rien, que... Ah ouais. Eh ben, c'est plus grave que ce que je pensais. Là... Il y a une tension entre les jumelles et Séverine. Mais j'ai besoin qu'elles m'en disent plus. Donc en fait, qu'il y ait du monde ou pas du monde, c'est toi et Mylène qui faites le service. La plonge, le nettoyage, oui. La mise en place et l'envoi, c'est ça? Oui. Je comprends bien. C'est ça. C'est chaud.
Là, clairement, c'est chaud, c'est chaud. Si elle se comporte réellement comme ça, je sais pas quoi dire. Depuis le début, je la défends, mais je sais pas quoi dire. Si elle se comporte vraiment comme ça... Mais je pense que quelque part, il doit y avoir une part de vérité parce que tu craques pas comme ça pour rien, en fait. Ou sinon, c'est que t'es vraiment matrixé dans ta tête. Et c'est pour ça que vous parlez pas à votre sœur. Ça doit être dur au quotidien, non, de travailler dans cette ambiance? Ah oui, c'est très très dur. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Ça fait 2 ans qu'elle nous fait subir ce qu'on est en train de faire. Mais on aime tellement ce qu'on fait que... Ben on tient. Je vois que le chef l'a compris. Moi, ouais, ça fait du bien de vider son sac. T'as des trucs à faire de l'autre côté, Mylène? J'ai rien à faire, tu le fais jamais. D'habitude, je vois pas pourquoi tu le fais maintenant. Comme d'habitude, je le fais. Je pose non, la tu question. Fais jamais ça, d'habitude. Comme d'habitude, je pose la question. Je vois pas pourquoi tu le fais alors qu'il y a le chef, c'est tout. Mais je le fais pas. Ben non, tu le fais pas d'habitude. Je vois pas pourquoi tu fais ta belle devant le chef. C'est hallucinant. Wow. Céline ne réagit pas. Elle subit. C'est quand même elle la gérante, bon sang. Elles sont sœurs, ok. Mais Mylène et Mélanie sont avant tout ses employés. Tu dis rien. Qu'est-ce que je vous dis? Tu dis rien. C'est scandale devant tout le monde. Moi, je ne fais pas scandale devant tout le monde. Je sais pas. Je le dirai après. Voilà. Pas maintenant. Le sang est quand même dans une ambiance horrible. Si je... Clairement, c'est... elle a raison pour le coup. Si tu as quelque chose à régler avec ton employé, que ce soit ta soeur, ta cousine ou tout ce que tu veux, bah, tu ne le règles pas devant une cliente. Mais par contre, tu spécifies, on en reparlera après le rush ou après le service. Résume la situation, j'ai 3 frangines qui se déchirent, 2 jumelles au bord des nerfs et une gérante qui est inexistante. On est au bord de l'implosion. Là, il faut crever l'abcès, que tout le monde mette carte sur table et surtout que Séverine donne sa version des faits. Séverine, tu ne t'imposes pas, d'accord, en tant que gérante de l'établissement, parce que tu ne veux pas créer de conflit devant les gens, ok? Ouais. Maintenant, explique-toi. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Les assiettes sont sorties, les clients ont été servis, donc voilà, après, moi, le service, il s'est passé, certes, il y a des tensions, mais qu'est-ce que je vous dise? Je suis à l'ouest complet, mais je ne vais pas leur revenir dessus. Les filles, dites-moi, vous. Tout le long du service, elle a fait ce qu'elle fait pas d'habitude. Normalement, elle est derrière le bar, avec son téléphone, et elle s'occupe que de la table des habitués. C'est tout, ni plus, ni moins, rien d'autre. On n'a jamais de merci. C'est pas vrai. Voilà, dès qu'on te dit quelque chose... C'est pas vrai. C'est pas vrai tout le temps, mais tout le temps, t'as le jeu, c'est pas vrai. Mais non, écoute, hein. Quand je viens vous proposer, vous me remballez. De toute façon, j'aurais jamais raison face à vous. Quoi que je dise. Ce matin, t'es venu à 11h30. Et nous, en fait, tu nous laisses dans la merde avant le service. Tu te demandes jamais si on peut manger, tu te demandes jamais si on a 5 minutes quand on arrive à 7h30 ou 8h. Jamais tu nous dis, est-ce que vous avez pris une pause avant le service? Bien souvent, vous mangez avant que j'arrive. Bien souvent, on mange pas. Je trouve que c'est pas exagéré. Aïe. C'est leur point de vue. Ce que j'ai vu c'est pas à midi, c'est pas exagéré, je l'ai vu, je l'ai constaté. Oui, elles ont fait en sorte qu'ils soient vus, ce qu'elles voulaient qu'ils soient. Non, on a fait comme... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Elles n'arrêtent pas d'être méchantes avec elle. Oui, non, c'est clair. Mais putain, c'est vrai qu'elles se ressemblent les deux. Hein. Mais clairement, elles s'accusent toutes les deux d'exactement la même chose. On me fait comment du coup? On me fait comment? Comme d'habitude. L'art et la manière de retourner le truc. Ah, pas du tout, hein. Écoute-moi, si t'avais un vrai positionnement, jamais ça serait passé comme ça. Jamais elles auraient fait ce qu'elles avaient envie de faire et comment elles auraient voulu raconter l'histoire. Donc forcément, je suis obligé de croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'elles disent. D'accord? Il y a une chose qui est sûre, la responsable, c'est toi. Hein. C'est ma faute si elles sont agressives, c'est ma faute si elles me répondent pas, c'est ma faute, tout est ma faute. Voilà. Bah ouais, mais je sais pas si... Ça reste tes employés, t'es obligé de te faire respecter tes employés, que ce soit tes sœurs ou pas. T'as pas le choix. Clairement, j'ai eu des soucis avec mes subordonnés et il a fallu que je règle les problèmes. Et je les ai chopés, j'ai dit ce que j'avais à dire. Après, de la bonne façon ou pas de la bonne façon, c'est une autre histoire. Parce que c'est vrai que le management, ça reste quelque chose qui s'apprend et que,
que ben, je l'avais pas forcément appris à ce moment-là, je l'ai appris un peu plus tard. Clairement, c'est compliqué, il y a des choses à faire, ça s'apprend. La conscience de tout ce que je dois faire et de tout ce que je fais, le cerveau, à un moment donné, et la saturation des choses auxquelles il faut penser, quoi. Et cette pression-là fait que ben, ça bouffe de l'énergie et que ben, forcément, je ne suis pas à ma capacité maximale de rendement, quoi. J'en suis tout à fait consciente. Il y a de ça, il y a aussi l'âge. Parce que ce que j'ai bien compris, elle a passé 40 ans. Et quand t'as passé 40 ans, la restauration, c'est... Moi, je sais, comme j'expliquais la dernière fois, c'est que la restauration rapide, j'y suis rentrée, j'avais 19 ans. Elle est consciente. La restauration rapide, j'y suis rentrée, j'avais 19 ans. J'ai repris... Comme vous savez, j'ai 5 enfants. Je me suis arrêtée... j'avais commencé, du coup, avant de tomber enceinte. Donc, j'ai passé quand même pas mal de temps sans travailler, en étant à la maison pour m'occuper de mes enfants. J'ai repris le travail derrière plusieurs fois et je me suis réarrêtée, du coup, plusieurs fois pour les congés parentaux. Non, mais parce que c'est une blague que je fais, donc je peux pas dire que c'est une mauvaise blague. Alors toi, tu le fais avec consciente, moi je le fais avec concentré. Et clairement, quand j'ai repris le travail après les grossesses, ça a été difficile, ça a été vraiment difficile. Mais comme c'était un travail que je connaissais, que je savais, que j'avais déjà le move, ça s'oublie pas trop, c'est un petit peu comme du vélo. T'es pas aussi performant à 20 ans qu'à 30 ans, c'est sûr, mais c'est un peu comme le vélo. Et si t'es pas là-dedans depuis toujours, c'est très 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 compliqué d'être dans la restauration rapide. On a embauché des équipiers qui avaient plus de 30 ans, ils ont pas tenu 3 jours. C'est super dur. C'est vraiment super dur, la restauration rapide. On fait comment du vélo? Tu prends un vélo et tu pédales. Tu te démerdes. Oh, je suis méchante. Tu peux me raconter ce que tu veux, mais la réalité, elle est là. Voilà, j'ai vu. Je fais pas partie des tanguées dans le canapé. C'est pas ce que tu montres aujourd'hui. Séverine est incapable de se remettre en question. Elle rejette tout en bloc. Ça commence sérieusement à me gonfler. Qu'est-ce que je fous là, moi? Parce que moi, j'ai besoin d'avoir en face de moi des gens qui disent « Ok, on a fait des erreurs, mais par contre, je veux m'en sortir. Et je vais vous montrer que je suis capable de m'en sortir. » Sauf que là, c'est zéro, tu ne me le montres pas. Je me sens soulagée et contente à la fois. Enfin, je me dis « Ouais, en fait, il a certainement compris à ce moment-là qu'elle jouait une fausse personne, quoi. » Est-ce que t'as envie que ça s'améliore? Oui. Tu veux que ça s'améliore? Oui. Trouve-moi un argument. Je croyais que... J'ai pas envie d'en Il répondre. Avait son petit verre de vin, c'est une pancarte. J'ai pas compris. Mais je veux pas savoir. Là, c'est maintenant, là, ce qui se passe. Et ce qui va se passer après. Je vous ai dit que je voulais m'en sortir. Ok. Donc ça suffit. Ça sert à rien que j'insiste. Séverine est fermée à toute discussion. Honnêtement. Surtout devant les sœurs. Et vous avez envie de faire quoi, vous? En vrai? De s'en sortir. Moi, j'aime ce que je fais, donc je vais continuer. Donnez-moi les clés. Vous avez 5 minutes pour quitter la maison. Dépêchez-vous. Et je fais quoi, ma caisse? Hein? Je fais quoi, ma caisse? Sans moi. Je trouve pas du tout que ce soit justifié. Le fait qu'ils soient montés comme ça au créneau, le fait qu'ils m'aient parlé comme ça. Alors peut-être que c'est son moyen pour se faire entendre. Pour moi, c'est pas possible. Ça me fait rire parce qu'elle a eu la réaction typique de celle qui s'occupe de l'administratif, les caisses. Il faut compter les caisses. Pas possible. Et en fait, ça ferme la conversation. Merci, chérie. Pour moi, la situation, elle est bloquée. Tant qu'elle n'ouvrira pas les yeux non plus, quoi. Parce que si on n'y met pas toutes les trois d'une autre, c'est pas lui qui va réussir tout seul à faire que la situation s'améliore. Donc, reste à savoir si Séverine, elle a vraiment envie d'y mettre du sien. Je suis mitigée.
Même si ce service m'a permis de mettre à jour la mésentente entre les trois sœurs, je suis mitigée face à l'attitude de Séverine. Maintenant, pour trouver des solutions, j'ai besoin d'avoir une vision globale des problèmes de cet établissement. Je vais donc retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, pour qu'il me fasse un topo. C'est Nicolas, Jean-Chef. Ça va ? Moi, ça va. Ouais. Et toi ? Mais moi, ça va aussi. j'ai pas la ref, la Champix. C'est les trois frangines que je viens de quitter, là. Il y a un rapport entre elles qui est extrêmement compliqué. Ouais. Ça va être difficile à dénouer. Toujours sans écharpe rouge. Il y a des soucis entre les sœurs et ça se ressent forcément au niveau des chiffres. Ils ont perdu 25 000 euros de chiffre d'affaires en un an. Sur l'année, par jour, ils perdent 6 couverts. Mais en même temps, ils ont augmenté leurs achats. Ce qui est assez paradoxal, parce que quand t'as moins de clients, théoriquement, les achats devraient baisser. Alors que là, ils augmentent de 7 000. Toujours un crâne. C'est ce qui sert. Attends, c'est un magret entier. Voilà. Donc ça colle pas. Et donc là, si on continue comme ça, c'est la catastrophe. Bon, ça me confirme qu'il y a... Les crânes, c'est toujours comme ça. Les filles vont avoir besoin d'un accompagnement. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque pas grand-chose pour que ce soit à nouveau rentable. Alors après, on a un point hyper positif déjà quand même, c'est déjà la situation. Enfin, on a un restaurant qui est bien situé, il y a un parking, oui. il est accessible. C'est vrai. On a un point positif aussi, à côté on a une boucherie. Alors ce qui est dommage, c'est de ne pas miser sur la viande. T'as une boucherie à côté tenue par ton père et tu mises sur des pizzas. Ça je suis d'accord. Il faut donc revoir toute la carte et mettre en avant la viande qui vient directement de la boucherie. Ça peut être une très bonne idée. Et à côté de ça, j'ai quand même deux jumelles. Au-delà du fait qu'elles ne sont pas professionnelles, qui essaient de bien faire, tu vois, avec leurs armes, avec leurs capacités, elles ont envie de faire quelque chose. Moi, je suis assez confiant, mais il faut qu'elles soient professionnelles de la restauration, donc il faut les former en cuisine. Mais le gros morceau, ça va être quand même de solutionner les tensions qu'elles ont entre elles. Merci, Nicolas. C'est un plaisir. Bon courage, chef. À bientôt. Nicolas m'a rassuré. Ce restaurant a un vrai potentiel. Le gros chantier, c'est le conflit entre les trois sœurs. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais ce qui est sûr, c'est que si je ne le règle pas, je ne pourrai plus rien faire pour elles. La journée de demain va être décisive. Si je veux apaiser les tensions entre Mylène, Mélanie et Séverine, il faut que je sache comment elles en sont arrivées là. Mais d'abord, il faut que je comprenne Séverine. Je préfère... Personnellement, je préfère un crâne chauve plutôt qu'un crâne avec une calvitie. Je trouve que raser la tête, c'est mieux que de garder ou d'essayer de cacher sa calvitie. C'est pas une honte d'être crâne rasé. C'est quand tu vois que t'as une calvitie, tu t'essayes de profiter un petit peu de tes cheveux tant que tu le peux, mais dès que ça commence à se voir trop, hop. Et ça plaît aux filles. Hein. Complètement fermé. Je lui ai donné rendez-vous, loin du resto, pour qu'on discute tous les deux. Bonsoir. Bonjour Séverine. Ça va ? Oui. Et vous ? Ah, moi ça va. Bon, je vais... pas de cacher que les conditions dans lesquelles vous travaillez aujourd'hui, elles sont insupportables, mais pour tout le monde. Je sens que chez Séverine, il y a quelque chose qui bloque, mais je ne sais pas ce qui l'a fait tant souffrir. Le but de ce rendez-vous, c'est que tu m'expliques pourquoi vous en êtes arrivé là. Quand le chef veut que je lui explique, je suis un petit peu surprise. La difficulté, c'est de pouvoir l'exprimer sans trop d'émotion. Franchement, c'est pas évident. En 2001, j'ai un très grave accident de voiture qui m'a énormément ébranlé. J'ai 23 ans, la vie s'arrête brutalement. Je suis désolée parce que j'en pleure encore aujourd'hui. J'étais fracturée des pieds à la tête, j'ai eu 3 zones vitales touchées. J'ai eu... un trauma crânien avec perte de connaissance. J'ai fait du coma. Donc, tu sais pas si tu vas pouvoir parler parce que on t'a bloqué les mâchoires. Tu peux pas bouger un orteil. On te dit, Séverine, tu seras plus comme avant. À mon avis, c'est lui qui fait à manger à la maison. Psychologiquement, on fait l'encaisser. Donc, c'est très compliqué pour moi, quoi. J'ai
fait 7 ans de rééducation, j'ai fait 4 ans d'orthophonie. J'ai appris à manger, j'ai appris à marcher. Donc je reviens de loin, en fait. T'es une miraculée. Et il faut se relever donc d'une perte d'un être cher. Il faut vivre toute sa vie avec la cicatrice. Et il faut se relever donc de... Enfin, d'une vie qu'on est sur le point de perdre. Je suis plus la Sabrine d'avant. Et dans la tête, ça... C'est compliqué, quoi. Ah ouais. Bah ouais. Mais quand même. C'est pour ça que je me suis permis de vous tenir tête en vous disant vous me jugez, mais vous me connaissez pas. Je suis bouleversé par ce que vient de me révéler Séverine. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle avait vécu un événement aussi tragique. Pendant tout ce temps-là, en fait, parce que t'étais pas autonome, qui s'est occupé de toi? Ma maman. Elles avaient quel âge, tes sœurs? On fêtait les 10 ans de mes sœurs ce soir-là. Ah. Et je suis jamais arrivée. Je comprends mieux l'animosité des jumelles vis-à-vis de leurs sœurs. Elles ont sûrement été, elles aussi, les victimes collatérales de l'accident de Séverine. Ce drame a vraiment dû bouleverser leur équilibre familial et aujourd'hui, les conséquences sont désastreuses. Depuis combien de temps vous n'avez pas parlé? Je pense qu'on n'en a jamais parlé. Ah, vous n'en avez jamais parlé. C'est sûrement le fait qu'elle n'ait jamais reparlé de cet événement avec ses sœurs qui est à l'origine de leur tension. Alors, pour en revenir à ce que tu dis, sélectionne les gens qui ont des galères dans leur vie. Je pense que quand la vie t'a fait des galères, si tu essayes de faire comme si de rien n'était et que tu te lances dans un truc en essayant de faire comme si tout va bien, ça te rattrape. Donc forcément, tu te retrouves dans des situations comme ça. C'est ce que je pense. C'est peut-être pas une histoire de karma ou quoi, mais... Tu peux pas construire quelque chose sur quelque chose de fragile de base. Donc, gauche et la voyante. je pense que quand il y a quelque chose qui se pète la gueule, qu'il y a toujours des trucs qui se pètent la gueule, c'est qu'il y a quelque chose qui est au fond est déjà instable. Après, il reste à savoir quoi. Là, ça a été l'accident de voiture. Et clairement, oui, effectivement, tout s'explique. Parce que non seulement c'était leur anniversaire et la fête d'anniversaire, les 10 ans, en plus les 10 ans dans une vie, c'est la première fois qu'on change. On passe de un chiffre à deux, à un nombre. Donc c'est super important dans une vie. Et puis là, ben en fait, non seulement l'anniversaire foutu, la mère qui s'occupe uniquement de la grande sœur, les jumelles, ben, c'est en mode « Vous êtes autonome, débrouillez-vous, vous avez la santé. » C'est dur, quoi. C'est très, très dur. J'ai peur, il y a un truc qui s'est cassé la gueule chez moi. Ah là là, ça, c'est parce que tu regardes mon stream. C'est parce que je suis un véritable chat noir, tu regardes mon stream, et donc du coup, j'attire les mauvaises ondes. et qui a eu de lourdes conséquences sur le restaurant. Maintenant, il faut que ça change. C'est vrai, t'es passé par des phases difficiles, t'as surmonté des épreuves très dures, t'arrives à rebondir et à revenir à la vie. Alors, pardon, à côté, c'est une pipi de chat, hein. C'est presque du détail. Et ce détail-là, t'arrives pas à le régler? Non. Logiquement, cet accident aurait dû nous ressouder. Elle était trop petite. C'était l'inverse, ça a explosé la famille. 18 ans sans parler de cette situation, c'est très long. Mais après, il faut avoir la force de pouvoir en parler. C'est T'as dur. T'as pas envie de les perdre? Non. Elle a fait ce qu'il faut. Mais je sais pas par quel moyen. Bah, je vais t'aider. Et pour ça, j'ai fait venir Mylène et Mélanie. Il faut qu'elles s'expliquent et qu'elles se disent tout ce qu'elles ne se sont jamais dit. Et ça va être quitte ou double. Moi, j'ai parlé un peu avec votre sœur. Vous essayez de comprendre. Comment se fait-il que vous en soyez arrivés là? J'ai appris qu'il y a eu un drame, quand même. Toutes les trois, vous souffrez de ça. Mais vous en parlez pas. Non. Et ce manque de communication, les filles l'ont reproduit dans le restaurant, ce qui a engendré de grosses tensions et des altercations. Alors qu'au fond, je suis sûr qu'elles ont des sentiments. Est-ce que vous vous aimez? Bah, dans la logique, oui. Vous vous aimez ou pas? Bah oui. Ouais, il y en a
film qui n'a pas répondu. Non, mais moi j'étais très contente d'avoir mes petites soeurs. J'étais, moi, il n'y a pas de souci. Moi, l'amour est toujours là. Oui, tu étais très contente. Tu as dit tu étais. T'as pas dit tu. Oh non, t'as dit tu étais. Il y a 28 ans, quand vous êtes arrivée, j'étais très contente que voilà. Vous arriviez. Donc ça répond pas à la question. Bah, bien sûr. Oui. C'est pas gagné. Je vais leur montrer, moi, ce qu'elles pensent les unes des autres. Pour ça, j'ai demandé à mes équipes d'isoler des extraits d'interviews de chacune. Et franchement, c'est loin d'être aussi catastrophique qu'elles ne l'imaginent. Je suis tout à fait consciente qu'elles sont travailleuses, qu'elles sont réactives face à n'importe quelle situation. Quand il y a du travail, elles le font. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent, autant hommes que femmes, abattre autant de travail que ce qu'elles peuvent faire, d'être aussi volontaires. Je trouve que 28 ans, elles s'en sortent bien. Tu reconnais quand même que... Ah, je le reconnais, oui, tout à fait. Ah, mais tu le dis pas. C'est pas facile, hein. Ça fait plaisir de l'entendre dire ça. C'est quand même... C'est quoi ce maquillage? Elle veut pas faire un stage à Sephora pour apprendre à se maquiller. Je dis ça, je dis rien. Enfin, je suis pas maquillée ce soir, mais bon. Son trait de liner, je sais pas si... Enfin, voilà, ça me stresse. Bonne reconnaissance par rapport à tout ce qu'on fait. En 30 secondes de vidéo, elle nous en dit beaucoup plus que ce qu'elle nous en a dit en 2 ans. Ça touche. Vous n'avez pas que des reproches à vous faire. Je me rappelle de m'apprentir avant. J'étais en admiration devant elle avant. Enfin, on a quand même 15 ans d'écart. Donc, il y en a même qui me disent oh, c'est votre maman ou quoi que ce soit. Non, c'est notre grande sœur. Mais ouais, il n'y avait pas du tout. Il y avait un rapport de grande sœur, petite sœur, quoi. Mais elle était à notre écoute, quoi. Mais là, aujourd'hui. Changer, quoi. Moi, ce rapport de vraie sœur, il me manque parce que je me dis qu'en fait, on est en train de bousiller notre vie de famille dans un restaurant. Oh, pêcherette. C'est pas méchant quand je dis pêcherette, hein, c'est mignon. Les images me projettent dans. Enfin, me ramènent dans tout ce que nous avons pu faire ensemble et. Les bons moments. Ces bons moments me manquent. J'aimerais dire à mes sœurs, je vous aime. Ça a toujours été, ça n'a jamais changé. T'en rends compte ? Bon, j'en suis là. Je suis obligée de vous montrer des choses pour que vous parliez. C'est grave. C'est un constat difficile de se rendre compte que, au final, on a perdu tant d'années à se déchirer pour rien. Je me dis, mais en fait, on aurait dû peut-être parler plus tôt, quoi. Si vous souhaitez que votre relation, elle dure et que vous puissiez vous retrouver, au point où vous en êtes, il va falloir faire des choix. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Si. T'en penses quoi, toi ? C'est quand même toi qui es à la tête de tout ça. Ouais, mais moi, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que les jumelles, elles sont ensemble, elles sont en situation de force aussi, et elles sont pestouilles. Hein. Clairement, le comportement comme ça, c'est pestouille. Mais pour en revenir du coup à la grande sœur, si elle n'en fait pas beaucoup et compagnie, bah, c'est que... C'est compliqué. Clairement, moi, ça se passe comme ça. J'ai pas envie. Je fais pas. Je reste dans mon coin et j'attends que les journées passent. Et voilà. Mais faut le comprendre aussi. Mais c'est clair que la communication, c'est la base. Dans tout, de toute manière. Dans absolument tout, la communication, c'est la base. On peut pas avancer si on communique pas entre nous. Après, il faut avoir envie de communiquer avec les gens, clairement. La communication, c'est compliqué aussi. Hein. Je peux comprendre que quand, de toute manière, la communication, c'est bien. Ça règle beaucoup de choses. Mais le problème, c'est que quand on a peur de l'autre en face, qu'on a peur de la réaction et compagnie, c'est ce qui peut aussi couper complètement la communication, et puis après, il y a tout qui part en vrille. Tout. Parce que c'est le pilier, la communication.
prendre les rênes. Y a pas de souci. Le fait que je puisse laisser le restaurant aux filles, c'est une des meilleures solutions. Ça leur permettra, elles, du coup, de voler de leurs propres ailes. Et moi, ça me permettra de faire ce que je veux, moi, de mon côté, pleinement aussi, quoi. La décision que vient de prendre Séverine est vraiment très courageuse. Elle préfère se mettre en retrait du restaurant pour leur permettre de sauver leur affaire. C'est le départ, le lancement de quelque chose qui, normalement, devrait vous amener à avoir beaucoup plus de sérénité dans ce que vous faites. Psycho débile, surtout, bonsoir. Surtout, vous rapprochez. Comment tu vas ? Je suis content. Là, je me sens apaisée. Ok, avec du stress de se dire, mais peut-être comment on va faire ou quoi que ce soit, mais... Ça va, ça va, je suis en train de tomber malade, là. C'est le... On va dire le... j'ai pas les mots, je suis fatiguée du coup. Le React, c'est histoire de pas jouer parce que du coup j'arrive pas à jouer, j'arrive pas à réfléchir, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est plus simple, c'est plus posé de faire un React ce soir alors que j'en ai fait un hier. Mais sinon, à part ça, ça va. À la fin de l'épisode, après, je go me coucher parce que demain, on se lève, machin, tout ça. Oui, mais ça me repose un peu. À dire, il y a Mélanie, il y a moi et on veut y arriver, quoi. Je pense que cette expérience, ça nous fera repartir sur de bonnes bases et il faut qu'on reparte sur de bonnes bases pour pouvoir évoluer. Au-delà de ça, ouais, j'ai envie de réapprendre à connaître Séverine. Ça serait bien qu'on retrouve des liens normaux de sœur. Ça me ferait plaisir de les voir réussir là-dedans. Je pense qu'elles sont capables de mener à bien cette aventure-là. Ouais. C'est ce qu'on disait aussi. Les jumelles sont très, très, très pestouilles. J'espère que cette étape va nous permettre de nous dire des choses positives et d'aller de l'avant et de pouvoir mettre en place la communication, ouais, c'est clair. Alors, si celle-ci elle y croit pas. De toutes. C'est le souhait. C'est magnifique. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il faudra encore du temps à Séverine, Mylène et Mélanie, mais je suis sûr que ce qui vient de se passer va leur permettre à chacune... Ah, qu'est-ce que c'est beau la Provence. Qu'est-ce que j'aime ça. Ça, c'est chez moi, ça. Bon, il faut enlever le cyprès au milieu parce que je suis allergique, mais sinon, le mur en pierre comme ça, là... Avec la garrigue derrière, les roches calcaires, les toits avec les tuiles comme ça, le fer forgé, tout ça, c'est vraiment typique de chez nous. Qu'est-ce que j'aime ça. C'est le plus beau pays pour moi. De tourner la page, je suis soulagée. C'est beau, c'est magnifique. Dommage, il fait pas beau, mais c'est un cadre magnifique, la Provence. On est en Provence, c'est magnifique, et qu'est-ce qui montre le TGV, l'autoroute. Ah, super, super. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle aventure pour Mylène et Mélanie. Séverine leur a laissé les rênes du restaurant, mais elles doivent maintenant trouver une organisation pour redresser leur établissement. Je vais essayer de les aider, mais il y a du boulot. Ah, on voit la Sainte Victoire dans le fond. C'est mon caillou à moi, ma Sainte Victoire. Le pays provençal, c'est mon pays à moi, c'est ma région de cœur. Je suis née là, j'ai toujours vécu là, c'est voilà, c'est on appelle ça le pays d'Aix. Ça va les filles ? Ça va. Oui, ça va. Mais ça se voit. Par contre, j'ai un problème. Laquelle de vous deux va cuisiner ? Parce que vous cuisinez toutes les deux en fait au restaurant. C'est ça. Et il va falloir faire un choix. Moi, je pense que ça va être Mélanie. Donc c'est toi qui vas cuisiner. Bah oui, mais je pense que c'est la meilleure des organisations. C'est le mieux à faire. Je suis contente. Une en salle, une en cuisine. Ça n'empêche pas l'entraide, hein. Ah oui, non, mais on sera toujours entraide. C'est ce qu'on s'est dit, de toute façon. Vous avez pris une décision importante. Maintenant, il va falloir être à la hauteur. Hein? Ouais. Bon, motivé? Motivé.
Maintenant que les rôles sont définis, on va se mettre au fourneau avec Mélanie. Je sais qu'elle n'est pas professionnelle, mais si elle arrive à me montrer pendant cette recette qu'elle aime vraiment cuisiner, et si elle s'applique à bien suivre mes conseils, je vais lui offrir, après mon départ, une formation pour qu'elle acquière les bases en cuisine. Je lui annoncerai la nouvelle tout à l'heure. Pour le moment, je veux tester sa motivation. Pour cela, je vais lui proposer une recette inspirée d'un plat familial qui reflétera sa future carte. C'est comme à l'armée. Allez, on fait une daube à la provençale. Mais avec une petite touche supplémentaire. T'en as déjà fait des daubes ? Maman, elle en fait énormément, mais elle les fait pas comme vous. Eh bien justement, voici les ingrédients dont nous avons besoin pour la daube à ma façon. Du paleron de bœuf, des carottes, du vin, un bouquet garni, des oignons, de la poitrine fumée, des champignons, pas de champignons, des tomates, des poivrons, de l'huile d'olive, des anchois, du beurre et des olives. Putain, encore ces olives, putain, c'est pas possible. Si tu veux mettre des olives qui se tiennent, tu prends pas des noires, tu prends des vertes, c'est pas possible. Mais si, les oignons, si tu veux pas les manger, c'est pas grave, mais les oignons, ils sont là pour donner un peu de goût. Mais si t'aimes pas ça, tu les laisses de côté. Mais putain, les olives, quoi. Ça me tue. Des olives colorées. Faut qu'ils arrêtent avec ça. Les olives noires, c'est que les olives fripées. Les olives qui ont été maturées, type olive à la grecque. Si tu veux des olives qui se tiennent avec de la chair ferme, c'est les olives vertes. On ne met pas d'olives peintes. Oh. Bonne nuit, Poppy. Merci, c'est gentil. Mais ça me tue, ça me tue. Punaise. C'est pas possible. Et pas de champignons. Et en plus, des champignons de Paris, quoi. Qu'est-ce que ça fout dans la cuisine provençale? Ça n'a rien à y faire. Ça sent la viande. Mais on va pas se contenter que de faire de la viande grillée, poêlée ou... Sans de cuisine. Aussi. Hein, ah, j'aime la bouffe, hein. Et justement, pour donner du goût à cette viande, nous avons fait mariner le paleron avec la poitrine fumée, les carottes, les oignons et le bouquet garni dans du vin rouge pendant 24 heures. Pas coupé comme ça, les oignons. Parfait. Maintenant, c'est au tour de Mélanie de récupérer la viande et les légumes. Parfait. Bon, maintenant, tu fais revenir ta viande. Cette pré-cuisson va permettre à la viande d'avoir plus de saveur avec la caramélisation. Ok, super. Ensuite... J'aimerais bien. Stream cuisine, clairement, j'aimerais bien, mais j'ai pas de cuisine digne de ce nom, j'ai pas de four, j'ai juste une plaque qui se branche, j'ai un feu. C'est très très compliqué, je fais beaucoup d'assemblages, je cuisine pas beaucoup. Après, il faudrait que, pour organiser un stream cuisine, il faudrait que j'ai un peu plus de matos pour tenir la cam et compagnie. Mais ouais, franchement, ça me plairait. J'adore cuisiner en plus. Et j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo aussi. Hein. Il faut la faire reposer et on fait revenir des légumes et la poitrine fumée de la marinade. Et pour ça, il faut un bon coup de main. Tu sais faire ça ? Non. Non, essaye. Mais ça fait longtemps que j'avais pas vu sur le stream un Psycho Devil. Je me sens heureuse, je me dis, ouais, il m'apprend et tout. C'est la classe de prendre un cours de cuisine avec le chef. Il nous reste maintenant à rassembler les légumes, les lardons et les morceaux de paleron. Oui, j'ai overcooked. On va rajouter. Mais c'est pas pareil. La marinade, bien mouillée à hauteur. Voilà, ça va. Tu laisses réduire à couvert pendant minimum 2h30. En attendant, on va préparer les légumes. À feu doux, alors. Très très doux. Là. Pour la découpe des poivrons. Tu sais faire une brunoise ? Non. Non ? Je te montre un. Je vais faire. J'y arrive pas. Overcooked, je galère de ouf. Je préfère cuisiner pour de vrai. Ah mince. Tu bosses de soir, du coup. Tu bosses dans quoi, si c'est pas indiscret? Des gros dés. Voilà, ça, c'est une grosse brunoise. Hein. Tu fais pareil avec l'autre. Moi, j'essaie de faire simple. Après, t'apprendras à faire des brunoises beaucoup plus fines que ça. Très bien. Franchement, je trouve que Mélanie s'en sort très bien. Je sens l'envie et la volonté de bien faire. Avec la formation qu'on va lui offrir, elle va vite progresser. Elle met pas ses doigts comme il faut, par contre. La brunoise peut donc être revenue dans de l'huile d'olive. Il faut que ce soit saisi, il faut que ça chante dans la poêle. C'est très indiscret. Je suis sûr que tu vas vite apprendre, t'es pas bête. Voilà, ça, c'est fait. On fait de même avec des cubes d'aubergine et on réserve le tout. Allez, ensuite, on va faire un petit bord d'anchois. D'accord. Petit plus qui va faire que la va s'envoler.
et c'est surtout ce qui va donner du goût à la sauce. Pour ça, rien de plus simple. Moi je stream des anchois, puis du beurre et on mélange l'ensemble. J'aime pas. Maintenant que la daube a bien mijoté, on récupère la sauce en la filtrant et on la monte avec notre beurre d'anchois. Alors, il faut que le beurre il soit froid. De quoi ? J'ai pas compris. Plongeur en resto. Ah, j'avais pas vu la réponse. Ouais, forcément, la cuisine et tout. Mais les horaires de travail, c'est forcément le soir. Ça aide pas. Froid, toujours pour bien émulsionner. Bien froid le beurre. Goûte ça. D'ici ça m'aurait plu, mais je savais que ça allait être super dur pour moi. C'est bon ou c'est très bon ? C'est très bon. Si c'est validé, on peut passer au dressage. On va pas se mentir, dans le resto, la présentation, ce n'était pas leur fort. Je vais donc montrer à Mélanie comment dresser une belle assiette avec la bonne quantité. Les soirs, je ne stream pas. Trois morceaux de viande comme ça. Je savais que ça allait être très dur parce que la restauration, c'est quelque chose qui est hyper exigeant. C'est des horaires de ouf. Et puis, pour avoir une vie de famille, c'est compliqué et compagnie. Et au final, j'ai terminé en restauration rapide. Donc, je l'ai fait. Mais c'est vrai que si j'avais dû rester en restauration et choisir de base la restauration, j'aurais dû faire les études pour. Mais je sais pas pourquoi. J'étais pas prête. Quand j'étais ado, j'étais pas prête à me dire que je choisissais un métier. Je savais pas ce que je voulais faire. C'était très très dur. Donc moi, en plus, j'avais juste des ambitions familiales. J'avais pas forcément des ambitions professionnelles. Donc le problème de l'hôtellerie, c'est qu'au final, c'est quelque chose qui se choisit jeune. Et après, c'est difficile de bifurquer dans ce genre de branche quand t'es plus grand, plus âgé. On va dire. Oui, mais en même temps, elle a pas la Charlotte non plus, elle. Hein. Je sais pas si on met des Charlottes en cuisine, mais normalement, il y a au moins un truc sur la tête. En tout cas, en restauration rapide, c'est la Charlotte, hein. C'est obligatoire. Hein. On va mettre deux carottes, un peu de poitrine. Donc là, tu vas mettre un joli pochon de sauce. C'est ta sauce qui fait le plat. On ajoute la brunoise de poivron, des cubes d'aubergine, quelques rondelles d'olive, des tomates cerises et un peu de cime. Ouais, le chef, il a la toque. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est super beau. Eh ben oui, t'es pas mal. Oh là là, c'est horrible ces olives. Franchement, ouais, je suis fière de moi. Bon, on va le goûter ce plat. Et bien entendu, on ne sera pas seul. En plus, c'est toque chef. Nul à chier, Nulachier. Voilà. Mais tu le cherches en plus, hein. Tu le veux ton nul à chier, hein. Tu l'aimes. Hein. Mais tellement. Faudrait que je le mette lui aussi sur le stream deck. Mais j'ai plus de place sur mon stream deck pour les sons, là. C'est plus possible. Faudrait que je les renouvelle un peu, que j'enlève ceux que j'utilise jamais, en fait. C'est important qu'elle soit là. Rien de... Ah oui, je voulais parler des olives. En plus, une daube en Provence avec des olives, ça se fait pas avec les olives noires, ça se fait avec les olives vertes. Voilà. Tel qu'un bon petit plat pour resserrer les liens. Alors, tu vas expliquer à tes sœurs ce que tu as fait. Une daube à la provençale façon estomac. Oula. Allez, on se la refait. Reste sur image sur Philippe. Il a pas apprécié. T'as la sœur qui est compatissante en mode « Oh mon Dieu, tu l'as pas fait !» Elle qui est morte de rire parce qu'elle voit la réaction de Philippe et Philippe, c'est au top. Oui, avec Philippe et je te baise. Ah putain, ces olives, ça me tue. Il a mis quoi dessus ? Il a mis de la ciboulette. Ouais, nous, on met plus du persil en général si on doit mettre un truc. Après, ou des herbes de Provence, mais la ciboulette, moins. Ouais, mais pas des olives comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est au courant que les olives comme ça, c'est péché. C'est pas possible. C'est des olives vertes qui ont été teintes. Des olives noires, en fait,
j'ai lu la dernière fois, c'est que les olives noires, sur l'arbre, c'est les mêmes. Il n'y a pas une variété verte, il n'y a pas une variété noire. Les noires, c'est celles qui sont arrivées à maturation plus. Et donc, du coup, elles ont la chair qui est complètement fripée. Pour ça, il faut qu'elles soient marinées et compagnie. Et donc, du coup, elles ont forcément la chair qui devient complètement fripée. Les olives à chair ferme, c'est forcément des olives vertes. Parce que ça n'existe pas. Des olives noires à chair ferme, ça n'existe pas. C'est des olives teintes. Et en plus, des noyautés comme ça, pour pouvoir les teindre, il faut les dénoyauter en plus. Donc, quitte à mettre des olives à chair ferme, tu mets des olives vertes, c'est meilleur. Parce qu'en plus, ça a un sale goût, les olives noires, comme ça. C'est vraiment pas bon. Pas du tout. Et franchement, ça me choque de voir ça dans des trucs de cauchemar en cuisine avec un chef ouvrier de France. C'est un chef ouvrier de France. Et ça fait... C'est le troisième réact que je fais avec Philippe Etchebest. Et il nous en a mis, parce que j'en ai fait deux en Provence, hein, il nous en a mis deux fois. Ça fait deux fois qu'il nous fait le coup avec les olives noires à chair ferme. Et pour moi, c'est un veto direct, c'est pas possible. Je vais faire une réclamation. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super beau. Eh ben oui. Je l'ai fait l'autre soir, Gordon. Franchement, ouais, je suis fière de moi. Bon, on va le goûter, ce plat. Et bien entendu, on ne sera pas seul. J'ai convié Mylène et Séverine. C'est important qu'elles soient là. Rien de tel qu'un bon petit plat pour resserrer les liens. Alors, tu vas expliquer à tes sœurs ce que tu as fait. Une dove à la provençale façon estebetch. Oh, estebetch. Estebetch. Voilà, elle nous l'a fait. Estebetch. Façon quoi? Etchebest. Ah, c'est mieux. Ouais. Etchebest. Voilà. Oui, ben voilà. On n'est pas là pour épeler mon nom. Alors à table. Je vous fais une petite cuillère à chacun. C'est super bon en fait. Tout, ça change complètement le goût et du coup, franchement, c'est excellent en fait. Tiens, Séverine, goûte. Dis-moi ce que t'en penses. C'est très bon. J'aime. C'est complètement différent de celle de notre maman, forcément. Oui. Je suis un petit peu surprise. Franchement, le visuel est bon et le goût est bon, donc... Avec de bonnes olives. Autant que ça, c'est bravo, ouais. Blague à part, j'espère que Gordon Ramsay, qui est mondialement reconnu, il sait que les olives noires, c'est forcément à chair fripée, pas à chair ferme. J'espère qu'elle m'expliquera comment elle a fait pour essayer de le refaire aussi. Franchement, champion, ouais, parce que... Très, très bien. Comment ça, c'est qui? Tu sais pas qui c'est, Gordon Ramsay, ou tu me fais marcher encore parce que je suis trop naïve? C'est rare d'entendre Séverine faire des compliments, ça touche. Ça va. Ça fait plaisir qu'elle dise ça à ta sœur, qu'elle était bonne? Ouais. Hein? C'est déjà mon début. C'est même mieux que ça. Parce qu'encore hier, elle n'était pas capable de se dire en face des... Champix. Bah oui. T'étais sur mon stream quand même. J'ai eu peur que t'aies oublié. Chose positive. Maintenant, pour que Mélanie devienne une vraie cuistot, je vais lui annoncer la nouvelle. Pour qu'elle puisse apprendre les bases, Mélanie va avoir une formation en cuisine. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il m'annonce ça. Franchement, c'est super, quoi. Ouais, je suis contente. Parce que ça prouve qu'il croit en moi et en nous et que du coup, il nous donne vraiment toutes les cartes en main pour réussir. Toi aussi, Mélanie, si tu veux, tu pourras avoir cette formation. Mais ça va être essentiel. Ouais. Ça va nous faire du bien. Le but, c'est aussi de proposer notre cuisine qui attire de la clientèle et qui se dise, ouais, ça, je le mange pas chez moi, je vais aller le manger au restaurant. Allez, ah oui. Je vous laisse. C'est le but. À plus tard. À plus tard. À plus tard. Ok. Allez. Je sais pas qui est arrivé qu'on se voulait en même temps toutes les trois. Ok, il y a le restaurant, il faut qu'il marche. Mais le but principal, c'est aussi de se retrouver en famille, quoi. J'espère surtout que ce soit le début d'un nouveau chapitre. Elles sont pas contentes, les jumelles, là, elles aiment pas ça. Hein. Bon, eh ben voilà, défi. Valérie, Damido, Valérie, Damido. Nathalie Spice. Et trois drôles de dames. Et
c'est Steven qui a le plus de travail pour rendre plus chaleureux et attrayant l'établissement. Steven. Salut Philippe. Comment vas-tu? Ça va toi? Qu'est-ce qui se passe là? Tu veux enlever la pizzeria? Ouais, et l'idée c'est quand même de mettre moins en avant la pizzeria, mais c'est surtout d'éviter d'avoir l'impression que ce soit une extension de la boucherie. Ouais, non, effectivement, ça pouvait prêter à confusion. Même si c'est un véritable atout d'avoir la boucherie juste à côté, puisque la viande va être mise à l'honneur. Mais le pire, moi, ce qui me tue, c'est que je suis venue sur cette place, je l'ai vu la boulangerie, je l'ai vu la boucherie, mais je ne l'avais pas vu la pizzeria. Mais alors pas du tout, mais pas du tout. Mais je m'en rappelle de cette terrasse. Que je me demandais ce que c'était. Je dis, oh là là, c'est chiant, ça prend des places de parking. Parce qu'ils disent, ouais, c'est bien, place de parking, machin, là, là. Mais il est tout le temps bondé, ce parking, c'est l'enfer. Future carte, il faut pourtant que le restaurant ait sa propre identité. Très bien, donc tu me montres à l'intérieur. J'ai hâte de voir. Mais oui. Ah putain, vous avez pas fait semblant, là. Donc, ah ouais, il a carrément déplacé le four. Eh ouais. Ah ouais, ouais, j'avais pas fait gaffe. De toute façon, c'était nécessaire pour qu'elle puisse travailler correctement. Il fallait rapprocher le four de la cuisine. Enfin, c'était logique. Tu t'es habillé le mur. On a habillé le mur. Tu vas faire pareil là. Donc on va faire pareil ici. Okay. La cohérence de l'identité visuelle était un petit peu existante. Ouais, ouais. Oh. C'est très orange là, ça me fait mal aux yeux. C'est très joli. C'est classe. On est plus rustique, on se rapproche plus de la grillade, etc. Bon, en tout cas, c'est plus chaleureux, ouais. C'est plus foncé, mais avec le travail de lumière, on est plus chaleureux dans le ouais. Bon, bravo, je vais aller voir en cuisine. Ouais. Bon, courage. Allez, encore une journée. Et ils se sont mis la musique, là. Salut, Maxime. Salut, Philippe. Ça va? Ça va bien, oui, merci. Et sacré changement, là. Oui. Bam! C'était pas ça. On a rajouté une note, effectivement, ouais. Elle aura juste à sortir de sa cuisine pour venir ici, elle a 3 mètres à faire. Et c'est quand même beaucoup plus pratique que de traverser toute la salle, le bar, pour aller faire ses pizzas. Hein, c'est beaucoup plus fonctionnel. Bah ouais, ah, c'est pas mal. Forcément. Ça commence très bien niveau cuisine. Alexis et son équipe ont assuré en déplaçant le coin pizza à cet endroit. C'est top. Bon, et là-bas, montre-moi. Donc on a aucune cuisine qui est relativement bien faite. Hein. Bien entretenue, ouais. Très propre. Ouais. Par contre, moi, je veux son Thermomix. Je veux son Thermomix et son KitchenAid. J'en ai pas. Tout à fait, alors. En fait, par rapport à l'axe qu'on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire d'axer plutôt la carte sur les viandes, ouais. On a ajouté une plancha. D'accord, ok. Donc pour marquer les viandes, elle faisait tout au four. Et j'espère surtout qu'elles vont savoir s'en servir. Saisir, cuire une viande sur une plancha, c'est aussi un savoir-faire. C'est pas pareil. Et j'ai une personne qui va se déplacer pour leur faire. Oh là là, ça me donne envie de manger du poulet à la plancha. Ça va être un vrai plus pour les filles qui vont pouvoir cuire la viande de différentes manières. Et je vois qu'en plus, Alexis a ajouté du rangement pour optimiser cette cuisine. C'est du travail de pro. Oh, c'est bien, hein. Bah écoute, un petit peu de travail, mais bon... Ça va être super. Bon, allez, bon courage, les gars. Ouais, c'est triqué quand même, hein, comme cuisine. Bon, eh ben, mes équipes ont bien avancé. Ça va être super. Par contre, il y a quand même encore pas mal de boulot. J'espère qu'ils seront prêts pour demain. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau la Provence. Voilà, c'est mon dernier jour à Sénas. Mes équipes ont travaillé d'arrache-pied pour que le restaurant soit prêt. J'ai hâte de découvrir la tête de Mylène, Mélanie et Séverine quand elles vont le découvrir. Salut les filles. Bonjour. Ça va? Ça va. Ouais. Bah alors, comment vous sentez? Bien. Prêt pour un nouveau départ? Impatiente. Ouais. Ouais, stressée mais impatiente de voir. On t'est venu accompagner tes sœurs aujourd'hui? Tout à fait. Je suis venue leur donner... les rênes, et très impatiente de voir ce qui a été fait. Ça va vous changer, hein. Alors la première chose, on a complètement changé et complètement dissocié la boucherie du restaurant. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, ça change quand on dit, enfin il y a une nouvelle identité, enfin on va pas se dire la boucherie elle est confondue au restaurant. On sait que c'est un resto, quoi. Voilà. Bon, c'est que le début, la suite leur réserve encore plus de surprises. Vous êtes prêtes? Ouais. Attention, ça va être un choc. Ok. Allez, suivez-moi. Je suis super curieuse. J'ai super hâte de découvrir le restaurant. Attention. Allez-y. Oh, c'est trop beau.
J'aime pas les carreaux qu'il y avait à la base. Ah, oh, je kiffe. C'est trop beau. Ah, je kiffe. Ça fait trop bien, ça fait chaleureux et tout, ça fait trop bien. Ça fait trop beau. Je suis super contente. C'est exactement le style que j'aime bien, les lumières comme ça et tout. Le chef, il a vu juste. Ça vous plaît? Oui. Ah, oui. Ah, c'est cool, ouais. Et du mobilier neuf. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Le sol. Oh, je me rappelle plus, vous avez voté comme quoi le restaurant il allait rester ouvert derrière. Hein. Il y avait vraiment du changement, quoi. Ça me dit waouh, quoi. C'est parce que voilà, vous le saviez de base ou pas? L'espace, en déplaçant le coin pizzeria à côté de la cuisine. Bah, c'est mieux, ça donne plus d'espace, ça donne plus de place. Et c'est plus pratique. C'est plus pratique avec la cuisine. Eh ben oui. Il y a moins de va-et-vient. Ça va nous éviter de courir partout, ça va nous éviter de perdre de l'énergie pour rien. Et l'établissement, il a été... Moi, je sais pas non plus, j'ai pas regardé. La vie. Regarde, t'as ton petit coin pizza. J'ai pas voulu me spoiler. Bah, tac, tu poses, on prend. Ça te plaît, là? Ouais, ça me plaît. Ça me plaît bien. Ouais, là, c'est sa place, à l'espace pizza. On aurait dû le faire plus tôt parce que ça en jette, là. Donc, une vraie proximité avec les cuisines, ça te permettra, toi, de rapidement de passer d'une pizza à une cuisson de manière très, très rapide. C'est nickel, ouais. Je suis content que ça vous plaise. Alors, il y a un truc que j'ai voulu absolument supprimer. Ah oui, bah oui. Alors, on ne saura plus qui a lavé les toilettes et ni qui fait la cuisine, hein, savoir si c'est les mains ou quoi, ou caisse. On ne me le remettait pas derrière. Et bon, par contre, j'ai vu, ils ont mis un coffrage... Même les cakes. Il m'a tué. Tout est fait maison, même les cakes. Par contre, ça c'est... Tu veux faire un truc humoristique, ça passe. Moi, c'est mon humour, ça. Trêve de plaisanterie. Les filles vont maintenant découvrir la cuisine qui a été équipée en adéquation avec la future carte du restaurant. Ah oui. Alors. Des placards, tout est bien fermé, tout sera bien rangé, trop bien. Ça donne bien envie de travailler maintenant. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une plancha. Ouais. On a changé les feux vifs par une plancha. C'est-à-dire que ça sera très pratique. La friteuse à côté, des poêles toutes neuves. Ah là là. Des casseroles. Il y avait un truc là sur la plancha, ça m'a trop fait penser à Quick. Je sais plus comment on l'appelait, putain. Je crois que c'est le scrap. On a appelé ça scraper la plaque pour passer un coup entre chaque cuisson de viande. On scrape la plaque avec le machin qu'on a vu là. Je vais juste faire un petit retour en arrière. Hop. On a changé les feux vifs par une plancha. Ça là. À Quick, on en a. À McDo, de partout, on en a justement. C'est important de le faire, mais après on a un truc pour ramasser ce qu'on a dégagé. C'est vraiment pour enlever les résidus de viande entre chaque envoi de viande, parce que sinon ça fait des steaks avec du brûlé dessus. Quand vous allez en restauration rapide et que vous avez du noir sur les steaks, c'est que la plaque n'a pas été scrappée entre deux envois de viande, et vous êtes, il faut le savoir, en droit de dire « je veux qu'on refasse le burger ». Avec une plaque grattée, scrapée, ce que vous voulez. Enfin, utilisez votre mot à vous. Mais c'est pas bon. Soit s'ils ne scrapent pas la plaque entre deux, c'est pas possible. Oui, mais c'est parce qu'il est grillé, le steak. C'est fait exprès, BK. Ils sont pas cuits sur plaque, les steaks à BK. C'est pas comme un Quick ou à McDo. À McDo, si les steaks sont noirs, c'est qu'ils ont été cuits sur une plaque, comme ça, ou un grill. C'est les mêmes, hein. C'est juste qu'on a des appellations différentes. Mais du coup... J'allais me plaindre tout le temps. Ah oui, mais c'est normal. BK, c'est cuit sur le... Je ne sais plus comment c'est, mais ce n'est pas sur une plaque, ce n'est pas comme chez nous. Mais voilà, c'est... S'il y a du noir sur le burger, vous êtes en droit du coup de revenir et de dire « je veux des steaks cuits, ouais, voilà, grillés à la flamme. » Comme au barbecue, quoi. Vous êtes en droit de vous faire échanger votre burger. Ou de réclamer autre chose à la place. Ça, ce sera très pratique. La friteuse à côté, des poêles toutes neuves, des casseroles. Non, parce qu'il y a des autres, on se brûlait avec. Hein? Voilà, je me dis, c'est une vraie cuisine de chef. On peut bien travailler là. Et
Et pour que Mélanie soit une vraie chef, il lui faut la panoplie. Tablier, la veste, hein? C'est pour toi, tu viens sûr. Et couteau, tu viens travailler. C'est trop bien de recevoir tout ça de la part du chef. Là, tu m'étonnes. Je suis devenue la chef de ce restaurant, bon, avec toujours Mylène hein, au cas où, mais la chef. Maintenant, vous êtes responsable de ce qui va se passer après. C'est ce que vous vouliez. C'est ce qu'on voulait. On est prête. Ouais. Alors, à midi, on va faire un gros service. On n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. D'accord ? Vous en êtes consciente ? Oui, consciente. Il faut être vraiment, vraiment très, très bon à midi. Toi, Séverine, j'imagine, t'as de la compta à faire. Oui, certainement. J'ai pris du retard. Alors, tu sais quoi ? Tu vas revenir pour déjeuner ? Bonne idée. Te laisse y aller, alors. Allez. À tout à l'heure, Séverine. Courage, les filles. Je me dis qu'elles auront toutes les cartes en main. Et qu'elles ne peuvent que y arriver. Là, elles revendent le resto avec la tomate. Je crois qu'elle signe un contrat. Enfin, c'est pas que je crois, c'est même sûr, ils signent un contrat, ils peuvent pas le faire. Je sais que c'était une blague, hein, mais ils ont pas le droit de le faire. Hein. Sinon, c'est chaud bouillant pour eux. Aujourd'hui, Mylène et Mélanie se retrouvent pour la première fois seules à la tête du restaurant. Cette inauguration va être l'occasion de donner un aperçu de la nouvelle carte. Il lui a rien dit pour les ongles. Il la laisse cuisiner avec les ongles longs. Psycho Devil. Divol. Je sais pas comment tu le prononces. Toi qui bosses dans un restaurant et qui est plongeur dans un restaurant, tu sais, c'est un veto ça. Les ongles longs, c'est un veto en cuisine. C'est pas possible. Alors, le menu, c'est l'eau provençale au beurre d'anchois. Petit légumes. Ok ? Ok. Allez. Merci. À tout à l'heure. Ce midi va être un vrai test pour les filles. Mylène va devoir gérer toute la salle et Mélanie sera seule en cuisine. Je vais être à ses côtés pour ce service, mais uniquement pour voir si elle est vraiment capable de s'en sortir. Ouais, c'est ça. Super bon. J'espère qu'elle ne me décevra pas. Le vernis, c'est pareil, les gourmettes, les bagues, tout ça, il n'y a que l'alliance qui est acceptée. J'ai hâte de servir des olives d'assiette à mes clients. J'ai envie de montrer au chef qu'on est capable et que ça va bien se passer. Et je sais que ça va bien se passer. On commence à écrire un nouveau chapitre et puis maintenant, bah, on verra où on nous mène. Je suis rassuré, Mélanie s'est préparée comme une pro. Pour Mylène, c'est aussi le baptême du feu, donc elle a intérêt à bien se préparer pour ce service. Le pain choqué, l'eau il y en a dans le frigo, le restaurant accueille 40 clients, donc ouais, il y a un stress qui monte. Mais bon, après on a confiance en nous, donc je pense qu'on peut le faire. C'est sûr qu'à midi, faut pas se planter quoi, ouais, ouais. Mais vraiment. Hein. Pour ça, je me suis tout préparée au moins. Ouais, ouais, il faut être efficace et il faut que les gens ils ressortent d'ici heureux. Ouais. Et quand je joue en cuisine, ça va ou pas ? Bah écoute, je pense que ça devait aller hein, parce que je faisais partie de l'équipe clé en cuisine. J'étais là pour gérer la cuisine. Et quand on me voyait arriver avec mon mari, ils étaient contents. Ils disaient ah, enfin ! Après, nos responsables, ils se pouvaient pas le dire parce que ça se fait pas, mais clairement, les autres équipiers, ils étaient en mode « Ah, enfin, l'équipe de choc !» Parce qu'on tabassait. Hein. Clairement, avec mon mari, quand on arrivait en cuisine, on envoyait du lourd et ça bossait. Ça bossait. Je me rappelle d'un rush, je crois que c'était un 24 décembre ou un 25 décembre au midi. On a bossé comme des dingues. Non, je crois que c'était un 1er janvier. Je sais plus. Enfin, c'était un jour de fête. Et on a bossé. On a fait l'ouverture. Je crois qu'on a fait l'ouverture le matin. Ouais, on a fait l'ouverture le matin. Et on a eu plein d'absents. Et on a bossé comme des dingues jusqu'à genre 15h, 14h. Mais à envoyer des burgers sur burgers sur burgers sur burgers sans jamais s'arrêter, sans jamais... Tu sais, parce qu'il y en a, ils envoient, enfin, machin comme ça. Nous, on était chla, 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 chla. C'était l'enfer, l'enfer. Mais ouais, non, les canjou en cuisine, ils aiment bien en général. C'est moi qui aime plus trop les cuisines de restauration rapide. J'en ai marre. J'ai démissionné d'ailleurs, hein. Ça y est, c'est fini tout ça. Hein. Les filles sont toutes seules, livrées à elles-mêmes dans ce restaurant. C'est une autre configuration. Ça va être un peu compliqué, il faut prendre ses marques. Alors j'espère qu'elles vont réussir ce service. Bonjour.
Mais ils sont venus au début de l'émission. Ils ont voulu faire le avant-après. Séverine, accompagnée par sa famille et sa maman Sylvette, sont venues déjeuner comme de simples clients. C'est trop, c'est super beau. Ouais. C'est magnifique. Ah, mais là-bas aussi, ça a changé. J'irai recueillir leurs impressions tout à l'heure. Et j'espère que Séverine aura des choses positives à dire à ses sœurs jumelles. Sans blague, moi, je me suis pris un coca en pleine tête par un client. J'ai pas apprécié. Clairement, j'ai pas apprécié. J'étais toute jeune. En plus, à l'époque, j'ai réagi au quart de tour. Je suis montée sur le comptoir. J'ai voulu le frapper. Venez avec moi, s'il vous plaît. La table qui est juste là. Merci. Ah, merci pour le follow. Alors, et je vois pas. Je suis loin de l'écran. Je vois pas le pseudo, du coup. DLV Chevalier Poney, bonsoir, merci pour le follow, merci d'être présente ce soir. La provençale au beurre blanc, au beurre d'anchois, pardon, et petits légumes. Quand j'annonce le menu, je bégaye un peu, j'avais peur de me planter ou quoi que ce soit. Comment tu vas ? Je suis toute seule. Une dope provençale au beurre d'anchois avec petits légumes et après mousse d'agrumes. Non. Salade d'agrumes, mousse marron. Je sens que Mélanie est... Dis-moi juste, pour ton pseudo, on dit, je peux dire juste DLV ou juste chevalier ou juste poney, je sais pas. Et comment on t'appelle normalement avec ton pseudo ? Complètement stressée. Il faut qu'elle se ressaisisse. Poney. Sinon, je cours beaucoup à la catastrophe. Ça va, ça va. Allez, ça va. C'est un stream de secours parce que je devais jouer, mais je suis en train de tomber malade, donc je me pose un petit peu, je me mets un truc un petit peu plus chill. Eh bien, on prend 6 assiettes, je te les donne. Allez, tu mets 3 morceaux de viande par personne, comme ça, voilà. Vas-y, je te laisse faire. Mets la viande. Ensuite, on a un peu de jambon. On a 2-3 carottes. Hein ? On va mettre 2 aubergines. Ah, tu les comptes et tout là ? Un pochon de sauce. Après, on met les tomates, un petit peu d'olive, comme ça. Et puis c'est là, loin de dresser. Hein. Voilà, et tu les mets là. Allez, bah, ces olives ! Oui. Bon, niveau organisation et communication, je sens que c'est encore un peu timide. Alors, voici la dope. Merci. Je Et oui, les femmes si, d'abord. Si elle a besoin d'un coup de main, va l'aider, hein, parce que là, tout le monde, amène-les hein, les assiettes. Hein. En ce début de gros service, c'est primordial que Mélanie aille en salle apporter les premières assiettes. Comme ça, Mylène peut prendre le reste des commandes. Vas-y, hein. Allez, vas-y, amène les assiettes. Moi, j'aime pas parce que je suis trop timide et tout, mais à ce moment-là, je me fais violence et je peux montrer au chef que je sais faire quand même. Mimi, tableau. Ouais, mais enfin bon, faut pas crier non plus comme une... Mimi ! Hey, on se calme là. Bonjour. On communique, mais un peu trop fort quand même. Hein. Faut que ce soit plus... Bah, difficile. C'est le sud, hein. Allez, on communique fort, nous. On en est où ? Il y en a qui mangent, tes parents, ils ont... Ouais, parti. Bon, ben... Bah, tout le monde s'en fout ce que je dis. Mais personne m'écoute. En même temps, c'est pas plus mal. Parce que ça prouve que Mélanie sait ce qu'elle a à faire. Et qu'elle n'a pas besoin de moi. 2 plats de dessert pour la 10. Et 2 plats de dessert pour la 12. Bon, ça va ? Vous sentez bien ? Oui, ça va. Ouais ? Ouais. T'en sors ? Mylène ? Oui, je m'en sors. Ouais. C'est chaud quand même, hein ? T'as vu, hein ? Ouais, le plus dur, c'est de servir la coupe de champagne et tout avant, mais ça va. Ouais. Ah, c'est vrai qu'ils font, ils font ça pour la réouverture, le champagne. Allez, on y va. On fonce, on accélère. Non, okay. Je mets mes chaussons à l'envers, moi. Je me sens bien, ça se passe bien. Les assiettes, surtout bien. C'est beau ce que je fais, donc je prends du plaisir. Voilà. Au score, ces olives, putain. Mélanie est à l'aise et précise dans ses gestes. Je suis assez bluffé par la manière dont elle gère ce service. De son côté, Mylène semble avoir trouvé son rythme. Juste là.
Du vin pour tout le monde? Juste de l'eau? Il n'y a pas de souci. Je vous ai mis une carafe d'eau aussi. Un verre de vin? Au fur et à mesure du déjeuner, je suis moins stressée qu'au début. Ça vous a plu? Pour être au top en tant que serveuse, on a envie de prendre ses marques et qu'au final, tout reste tout beau, tout rose, tout le temps aussi, quoi. Tout s'est bien passé? Très bien, merci. Je suis agréablement surpris par l'évolution de Mylène. Au début, c'était pas super, elle était un peu en stress. Et puis, au fur et à mesure du service, elle a pris ses aises et elle a pris. C'est normal. Et ça se ressent sur le service. L'ensemble des clients ont été servis. J'espère qu'ils apprécient la nouvelle cuisine du restaurant. Le mec, il mange une daube avec une chemise blanche. Il a pas peur. Ah là là, ça me fait penser à mon grand-père. Mon grand-père, à chaque fois qu'on allait au restaurant, on savait qu'il allait ressortir avec une tache. À chaque fois, on lui disait « Attention, mets ta serviette, tu vas avoir une tache. » mais non. Allez, on ressortait du restaurant, il avait des taches de partout. Mon grand-père. Ah là là, c'était un phénomène, mon grand-père. C'est un restaurant où je reviendrai, oui, tout à fait. Le plat est très, très bien équilibré, la pointe des cuissons sont parfaites. Il est, c'est obligé. Est parfait aussi. Ça me donne envie de revenir, oui, je vais faire découvrir d'autres personnes. Bien. Attends, la panière de pain, s'il te plaît. Panière de pain, vas-y, allez, elle veut le faire, elle veut le faire. Allez. Merci. Ah bon, ça va. Les filles travaillent à l'unisson et Mélanie a même pris l'initiative de retourner en salle aider sa sœur. Tout s'est bien passé? Oui, très bien, merci. On est bien loin de l'ambiance tendue des premiers jours. J'espère que je ne suis pas le seul à le ressentir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Mais vous êtes tous venus, oui? Non, les deux, je crois. Non, on a ramené un nouveau. Ah ouais, d'accord. Une nouvelle. Ok. Alors? Eh ben, rien à voir. Bah oui, rien à voir. Encore heureux, j'ai envie de te dire. C'est important, ça. Ça leur fait plaisir, elles étaient contentes. On va revenir pour les encourager justement à continuer. Il faudra. C'est ce qu'on compte faire. Si le bouche à oreille fonctionne bien, les filles vont pouvoir enfin sortir la tête de l'eau. Il me reste à aller voir Séverine, qui pour la première fois est venue en tant que cliente. Comment t'as trouvé tes sœurs? Très bien, rayonnante, plus détendue, plus souriante. Je les trouve mieux, quoi. Donc que ça perdure très 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 longtemps. Je dirai jamais assez merci à votre équipe et à vous. Ah, c'est d'elle qu'elle tienne le nez. Je suis heureuse pour mes filles et ça me touche. Bon, eh bien, allez, on va dire pour que ça dure. Au moins, ça aurait été une expérience. Hein, c'est vrai. Et je la taquine, Séverine. Mais si on en est là, c'est grâce à cette courageuse. Depuis le début de l'émission, ça me travaille cette histoire de nez. Je me dis, oh, quand même, j'ai pas taclé le physique, ça se fait pas, machin. Mais elles ont un sacré pif. Hein. C'est la famille Cyrano, oui. Que dis-je, un cap? C'est une péninsule. Décision de laisser le restaurant entre les mains de Mylène et Mélanie, qui ont d'ailleurs vraiment assuré. Mon objectif est atteint, je n'ai plus qu'à les féliciter. Je suis arrivé ici, j'avais face à moi trois sœurs qui se déchiraient. Et moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est d'avoir le sentiment justement d'avoir réconcilié trois sœurs qui sont souriantes. J'ai deux filles qui ont travaillé aujourd'hui, prenant du plaisir. Vous avez tout. Elles ont du flair. D'accord. Bon, en tout cas, vous avez été très courageuses, toutes les trois. Et je vous en félicite. Bravo. Tu ressens quoi, Mylène? Ça fait plaisir. Je suis contente du résultat. Ça va retrouver, entre guillemets, une vraie famille. Et toi, Mélanie? Je vais être honnête, je suis la plus heureuse. Eh ben, voilà. Ça se dit. Et franchement, merci. Elle a appris à mettre un tablier, hein, parce que la première fois, c'était pas trop ça. Hein. J'ai les clés du restaurant à vous remettre. Je te les remets en main propre. Et à toi de faire ce qu'il faut derrière. Ah oui? Pour passer la main à tes deux sœurs. Eh oui. Alors je suis très contente de leur donner les rênes. Qu'elles prennent leur envol professionnel, toutes les deux. Et je leur souhaite plein de courage. Bravo, félicitations. Voilà. Bonne chance les filles. Je vous laisse les clés. Merci. De donner les clés à mes sœurs, c'est un geste important et significatif, puisque c'est un geste de passation. Bonne continuation. J'ai cru qu'elle allait dire un geste symbolique. Ça prend tout son sens et ça veut dire le restaurant, au fil du temps, il va vraiment être à vous, quoi. Ça y est, c'est officiel. Je pense que le chef, il n'est pas juste venu sauver un restaurant, mais
trouver un restaurant et une famille, quoi. Il y aura un avant et un après cauchemar en cuisine, ouais. J'ai envie de dire au chef merci. Il y en a un qui voulait merci. Pas être là. Merci. Allez, chef. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Voilà, la mission est terminée. Un nouveau restaurant. Trois sœurs enfin réconciliées et le service de ce midi m'a prouvé que Mélanie et Mylène étaient capables de gérer leur établissement. Elles se sont fait confiance, je suis fier d'elles et je leur souhaite de tout cœur de réussir. Depuis mon passage, le restaurant a presque doublé son chiffre d'affaires. Mylène et Mélanie ont trouvé leur rythme et changent la carte régulièrement. Séverine s'en tient uniquement à la comptabilité. Elles sont plus épanouies et plus sereines quant à l'avenir du restaurant. Ils vont s'attaquer à un monument. Bon, on n'a pas besoin de voir le générique de fin. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, maintenant, on va chercher sur Wikipédia ce qui est devenu cauchemar en cuisine wiki. Ce qui est devenu le restaurant, savoir si oui ou non il a survécu. Vous avez voté à 80%. Ah, on voit. Ah merde, on voit. Nul. Voilà, c'est mieux. Je vais passer là-dessus, ça sera mieux. check. Hop. Voilà. Il faut que je cherche par ville parce qu'ils sont rangés par saison, c'est un peu compliqué. Marseille, Peigné, Bellegarde à Marseille, Arcé, Quintin à Marseille, encore putain, Mandelieu, Arcé. Oh là là, je sens que je suis brûlante, je suis pas bien, j'ai froid et tout. Bléré, Marseille, Bléré. Encore Bléré, il y a deux fois le Bléré. Il y a Bléré, Cestas. Et Bléré, Indre-et-Loire. Saint-Quentin. Mandelieu. Hier. Canet-Roussillon, Marseille. Marseille, hier. Eh ben, il y en a eu un. Cénas. Ah. Je me rappelle plus ce que ça veut dire, cette couleur-là. Ils sont toujours en activité. Ils sont toujours là. Vous avez eu raison, du coup. Mais vous l'aviez déjà vu, c'est obligé. Et Cénas s'appelle la Durancette. Bah oui, forcément, on est dans le... juste à côté de la Durance. Oh là 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 là. Alors, du coup, la prochaine fois, qu'est-ce que je fais? On est quel jour? On est dimanche. Je stream mardi. Ouais, ça leur fait de la pub. Hein. Ça leur... C'est cool. Bah, surtout qu'en plus, ils étaient en mode... ça va, quoi. C'était pas catastrophique. C'était surtout l'entente entre les filles qui était très, très compliquée. Pardon. Mais...